Salut, bonjour. Bien, je pense que c'est une vidéo qui va finir sur YouTube parce qu'on va parler d'exopolitique quasiment uniquement. Je vais éviter de faire des encarts trop tortureux, tortueux, politiques, dans la mesure où je pourrais. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va parler de, on va commencer par traduire le trailer du dernier Farsight Institute à propos de la résistance SSANI. Les SSANI sont des hybrides multiples, différents, entre l'humanité et des gris, l'humanité des reptiliens des gris de l'humanité, des mantis des gris du reptilien de l'humanité. Vous voyez, c'est une espèce hybridée, multiple, au sein de laquelle il y en a une partie qui a pris conscience du fait qu'elle était en esclavage sous les desiderata reptos, hein, globalement. Pardon. Et donc, elle œuvre à sa libération ainsi qu'à la nôtre. En fait, il est paru assez évident qu'il nous fallait nous unir, nous humains résistants et SSANI résistants, et tout résistant de tout poil. De tout poil, oui, de tout poil. Ah, vous ne la voyez pas. Bon, ben, j'ai une secrétaire de tout poil. Là. Alors, ouais, elle mate le plafond, là, parce qu'il se passe des choses là-haut, là, je vous le dis. Là. Il se passe des choses, moi. Il y a des araignées au plafond. Alors, reprenons, avant de déconner. Et oui, on va traduire. Donc, je vous passe en ch'ti. Alors, en ch'ti, voilà. Oui, l'écran, on va le faire avec l'écran général. Hein? Tchak, crotch. Hein? Comme ça, vous êtes centré sur ce qui nous concerne. Et ben, et on se lance. Hein. Hein, c'est du live. Vous l'aurez en différé, mais c'est du live, là. Improvisé, quoi. Parce qu'il y a deux, trois trucs dont il faut que je vous parle. Alors, je vais essayer d'organiser ça. Il y a Kim qui s'est fait réinterviewer. Enfin, bon, elle fait ses news hebdomadaires quasiment. Bon, ce que j'en ai entendu pour l'instant, on n'aura toujours rien qui nous le prouve. Hein? Donc, j'en toucherai un petit mot. Et puis, quoi d'autre? Et puis, j'ai vu le titre d'une vidéo de Bruce Ciesohall où il parle de pyramides sur la Lune. Alors, on va aller jeter un œil parce qu'il semblerait qu'il monte des trucs. Je ne l'ai pas encore vu. On va voir. Je lui fais confiance, hein, s'il marque ça, c'est que. De toute façon, on sait qu'il y en a. On sait qu'il y a plein de trucs. Mais il y a. À une époque, on s'intéressait quasiment à l'archéologie galactique. Je veux dire, le visage et les pyramides et autres mégalithes, monuments, on va dire, sur Mars et sur d'autres, j'allais dire astéroïdes, lunes ou planètes. Ben, rien que la forme de l'autre, ah là 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 là. Il y a la Death Star, l'étoile de la mort. Il y a une lune qui ressemble à l'étoile de la mort un petit peu, mais il y a surtout, ça pourrait être déjà dans la nature, et le cinéaste voit ça et il dit, bah, tiens, quelle bonne inspiration. Hein. Mais il y en a une autre là, Encéliade. Ben là, une digue équatoriale qui fait, paraît-il, 14 miles de haut, c'est-à-dire quasiment 30 km. Et elle fait toute la périphérie. On dirait que ce sont deux parties de planètes d'hémisphères qui n'étaient pas vraiment refroidies. Et quand ils les ont assemblées, ben, il y a un bourrelet qui se fait sur le bord, vous voyez. Ouais, si vous faites ça avec de la pâte à modeler, vous y arrivez facile, quoi. Bon, là, c'est quand même une lune, quoi, une petite planète. Bon. Bon, des grosses mains, on se la paluche. On y va, là, hein? Je sens que vous impatientez. Oui, il y a la queue à la machine à café. Bon,
The Sassani resistance movement. Leur mouvement de résistance est Sassani. This is a group that all Earth humans need to know about. C'est un groupe dont tous les humains doivent savoir quelque chose, doivent avoir entendu parler. But they have a complicated story. Which Mais ils ont une histoire compliquée. You are about to understand, probably for the first time. Et c'est ce que vous allez peut-être comprendre, peut-être pour la première fois. If you watch many les Pamonotes assidus, non, hein, on en a parlé, ça fait deux, trois fois. Hein. Of our project here at Farsight, you are aware that we have long described extraterrestrials who operate both on and around Earth. Sur le Farsight, vous êtes au courant que ça fait un moment qu'ils bossent sur les ET qui interviennent sur et autour de la Terre. As well as within our galaxy more broadly. Ou voire dans la galaxie. All of ou plus large. Our data have been collected. Largement. By highly trained remote viewers, always. Et toutes les données qui ont été récoltées par des remote viewers hautement entraînés. Is working under blind conditions. Qui travaillent dans des conditions aveugles, c'est-à-dire sans savoir sur quoi ils travaillent, ni être en relation les uns avec les autres, including, même s'ils travaillent plus ou moins sur le même sujet, vous savez. When on video. Moreover, all of our remote viewers have public track records with respect to their use of our methodologies to obtain accurate information that is fully verifiable. Chacun de ces remote viewers a des bagages qui expliquent leur méthode de travail afin d'obtenir des résultats qui puissent être hautement vérifiables. It is because we, dans la mesure du possible. We know their public track records with respect to verifiable information. Encore, parce que là, il y a des trucs, c'est aussi comme chez Kim, quoi. Comment voulez-vous qu'on vérifie? Enfin, je vous en parlerai tout à l'heure, mais comment voulez-vous qu'on vérifie? Puis de toute façon, quand les choses sont en cours, c'est très difficile d'en parler de manière stratégique, quoi. Vous vous rappelez le casse de Nice dans les années, je ne sais plus, 80 ou quelque chose comme ça, l'affaire Spadjari. Alors, si aujourd'hui vous interviewez Spadjari sur comment ça s'est passé, il n'a pas de problème, il vous le raconte. Enfin, lui, s'il est encore là ou voilà, qui peut le faire. Mais si c'est la veille du week-end rallongé, avant de faire le braquage, enfin le cambriolage, parce que ça a fait la une des journaux, parce qu'ils avaient remporté un énorme butin sans tirer un seul coup de feu, sans blesser quiconque. C'était quand même du Arsène Lupin, c'était classe, quoi, quelque part. Il paraît que ça ne se fait pas de braquer la Société Générale, mais bon, quand on pense à la manière dont ces banques nous braquent constamment, on peut se demander, juste ce qui manque, c'est une redistribution du butin, mais bon, allez, on ne va pas lui en vouloir. C'est lui qui avait tout le boulot, après tout. Bon, je déconne. Non, je ne déconne pas, en fait. Bon, pardon. Voilà, la veille de faire ce cambriolage, vous ne l'interviewez pas. Vous l'interviewez, vous parlez d'une partie de pêche, de l'anniversaire de sa petite nièce, de ce que vous voudrez, quoi. Mais il ne va pas vous parler de ce qu'il n'a pas encore fait et dont parler risquerait de mettre en jeu la réussite du projet. Hein, soyons sérieux. Donc là, quand on fait, c'est ce qui est le plus gênant, parce qu'en même temps, il nous faut savoir, et en même temps, les gens qui se font interviewer, mais par remote view, ne peuvent pas, malgré toute leur bonne volonté et le besoin qu'on ait, nous, de savoir ce qui se passe et comment ça s'organise, malgré tout ça, ils ne peuvent pas dévoiler ce qui se passe. Je veux dire, le jour où Jean Moulin s'est fait coincer par la Gestapo et qu'on lui a dit « Est-ce que vous êtes dans la résistance ?» Il ne va pas dire « Oui !»« Est-ce que vous êtes le chef de la résistance ?» Mais bien sûr. Et vous allez faire quoi ?« Ben, tel train, tel… » Non, non, hein, évidemment. Donc, si… Vous êtes papa et vous célébrez encore Noël en famille. Et au moment où vous amenez avec les cadeaux ou vous commencez à vous déguiser ou quoi que ce soit, vous tombez sur un de vos enfants qui vous dit « Qu'est-ce que tu fais, papa ?» Et vous n'avez pas l'habitude de mentir à vos enfants, donc vous faites quoi, là Vous racontez une histoire quand même. Hein, vous ne pouvez pas être, vous pouvez pas être sincère et franc et tout dévoiler. Parce que sinon, c'est un peu ballot. Enfin, oui, la main pigée, quoi. Hein. Vous avez trois exemples que je donne, c'est bon, quoi. On retourne. That their perceptions for things which are not yet verifiable are… Et leur perception de choses qui ne sont pas encore pour aujourd'hui, pour l'instant, vérifiables, are highly credible.
faire en sorte qu'elle reste tout de même crédible. We consider the data presented in this project to be highly credible. Et au Farsight, ils considèrent que les données qu'ils ont recueillies dans ce projet sont hautement crédibles. Because of this. Parce que... This beam's energy is quite light. Donc, elle vient de dire que l'énergie de ce personnage est plutôt lumineuse. Donc, elle décrit là un paysage avec des gens, des bâtiments plus ou moins, enfin, des sortes de réservoirs. Et NSS, c'est non-surface subject. Non-surface. Enfin bon, c'est un ovni, hein, en clair, qui n'est pas sur la surface. Un objet volant non-identifié. Enfin, un objet volant, un objet qui n'est pas sur la surface. Voilà. Un ovni en antigravité, l'antigravité, ce n'est pas du vol, hein. C'est de la sustentation, c'est de l'antigravité. Ce n'est pas du vol. Like, it doesn't feel like... Comme on l'entend pour un oiseau. Ou un avion, même. Pas bon. He's aggressive or hostile in any way. I'm getting pretty good vibes from this. Alors, on a plutôt des bonnes vibrations. Il lui semble pas ni hostile ni rébarbatif. Being right here. Well, while working on our many projects, we have often encountered what we might want to call good extraterrestrials. Lors de leurs différents projets, ils ont souvent rencontré ce que vous pourriez appeler, ce qu'on pourrait appeler, des bons ET et des mauvais ET. Well, as bad extraterrestrials. The bad ETs appear to have large slave populations working. Et les mauvais ET, il s'avère qu'ils ont une large population d'esclaves working under their direct control. Qui travaillent sous leur contrôle direct. The slavers are groups who we have identified as reptilians and Orions. Et les esclavagistes sont un groupe de ET qu'ils ont identifié comme étant des reptiliens et des Orions, on appelle Orions comme ça globalement. Une multitude de gangs en provenance d'Orion, dans lesquels il y a, moi je pense qu'il y avait des anciens Mantis, là, d'après Metallic Man, mais, et des Gris, et aussi, par exemple, les... la famille Abraxas. Hein. And they work across the galaxy in areas controlled by them. Et donc, où qu'ils travaillent dans la galaxie, ils sont toujours contrôlés par les méchants. In our observations, their slave populations appear mostly to be genetically modified and brainwashed subjects. Et a priori, d'après leurs observations au Farsight, cette population d'esclaves est essentiellement hybridée, enfin essentiellement, et généralement hybridée, et a aussi subi un lavage de cerveau. Who seem on a surface level to be working voluntarily. Et apparemment, ils semblent travailler de manière volontaire. In the sense that they don't have someone pointing a gun at their heads and forcing. Dans le sens où il n'y a personne qui leur pointe un fusil sur la tempe en les forçant. Pushing them to work. However, it is clear that these slave populations do not have much in terms of options. Mais il paraît clair aussi que ces populations esclaves n'ont pas tant d'options que cela. They follow rules and elles suivent des règles. To an outside observer, they appear to work in much the same way that an employee would normally. Et pour un observateur extérieur, il semblerait qu'elles travaillent un petit peu comme le font des employés dans une entreprise. Normally follow the rules of an employer here on Earth. Travaillant selon les règles de l'employé, de leur employeur, ici sur Terre. But these slave populations do not seem capable of doing anything else. But mais ces populations esclaves ne semblent pas capables de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. Following the rules that que de suivre ces règles. Have been laid out for them. Qui ont été qui leur sont imposées. Alors, petit encart, hein? Ça vous rappelle rien, cette situation-là? Cherchez bien. Vous ne voyez pas, hein? Des gens qui sont obligés de travailler pour survivre en obéissant, voire en se faisant spritcher, voire, hein? Sinon, virette, tabla. Non, part à volo, quoi, soi-disant. Allez, ayez confiance, on part pas à volo, on va se débrouiller. Ce qu'on faisait pour les uns, on peut le faire pour nous. Ah, bien sûr, ça demande des fonds, ça demande du temps, ça demande de la mise en place, ça demande de l'organisation, ça demande
la bonne volonté, ça demande de l'honnêteté, ça demande de la sécurité, ça demande deux, trois bricoles, quoi. C'est clair. Mais c'est ça où on meurt. Et de la même manière que soit on se pliait aux règles de la société bancaire, soit on mourait à la rue, c'est les mêmes conditions, là. Soit maintenant, on va se plier à ses obligations, mais avec bonne humeur, parce que c'est pour nous. On aura le bénéfice plein. Fini les 75% de taxes sur notre salaire. Ou quoi que ce soit. Ou en tout cas, s'il y a des taxes, elles sont redistribuées de manière intelligente. Et parce que c'est nécessaire, ce n'est pas juste parce que j'ai un coffre-fort vide au Baléares et que ça me ferait plaisir de le remplir comme Picsou. Vous voyez ? Exemple, tout ça. Hein, bon, moi, moi, il est plein, mon coffre au Baléares. Je n'ai pas de compte en Suisse. Je n'ai qu'un contentieux. Et mon compte, il était aux Canaries, mais les caïmans l'ont bouffé. Alors, j'espère que vous n'aviez pas trop investi dans les cryptos, hein, parce qu'il y en a deux, trois qui crachent grave. Hein. Et bien, ça, c'est pareil. Comment c'est possible que maintenant ça crache ? Parce qu'ils se soumettent à une règle qui vient d'ailleurs. Mais entre nous, soit dit, la confiance que vous avez dans la parole que vous avez donnée autour de vous et réciproquement, elle est toujours valable. Ce n'est pas parce que le groupe déménage en général ou, je sais pas, change de condition que votre relation à autrui, que vous connaissez, change. Au contraire, en général, ça la renforce si les conditions sont mauvaises. Mais enfin bon, ça dépend de toutes les situations. On ne va pas élaborer, je pars dans un exemple aventureux. Là. Reprenons. They also do not appear to be able to leave and go elsewhere. Et de toute manière, il ne semble pas qu'il leur soit capable d'arrêter et de quitter et de partir ailleurs à ces populations esclaves. The subjects who control them similarly appear to be slave populations themselves. And les sujets qui les contrôlent semblent eux-mêmes être soumis à un esclavage. Chain of command appears to be a series of slaves with higher. Et cette chaîne de commande, à chaque niveau, concerne des équipes esclaves les unes des autres, en fait. Levels of authority until it gets to the very top. Jusqu'à ce qu'on arrive au grand sommet, which is usually populated by reptilians and Orions. Qui est en général occupé par des reptiliens et des Orions. Et Abraxas et des grands gris, je pense. Ce qu'on appelle des Vlaches. Et les Maître. C'est moi qui vais se bouiller ou c'est le chat? C'est sorti de là de l'oreille, alors c'est bizarre. Reprenons. Je commence à me demander si je ne suis pas environné d'entités qui me tiennent à la baguette, là. Et donc là, on a Princesse Jeannet, ouais, toujours aussi délicieuse. Et là, je vous traduis que le trailer, mais j'ai vu l'épisode complet sur le farsightprime.com, que je ne peux pas vous traduire. Hein. S'ils le mettent sur le farsightprime.com, c'est pour plusieurs raisons. Ils sont sur leur domaine privé et là, ils peuvent exprimer des éléments qu'ils ne peuvent pas faire sur YouTube, par exemple, d'une part. Et d'autre part, je n'aurais pas demandé la permission. Et quand on peut le faire, ils le disent. Hein, je l'avais fait quand on avait parlé de la Fédération Galactique des Mondes, voilà, et du moyen de prendre contact avec eux. Ça, c'était même désiré de leur part, que tout le monde le sache et que ce soit bien traduit, si possible. We need you. Donc, elle nous dit, nous avons besoin de vous. And you all need us. Et vous avez tous besoin de nous. Donc, elle est en contact là avec une des entités. Hein. Et en fait, les cibles de leur séance, c'était un élément parmi la résistance SSANI et qu'ils appellent l'élément, je ne sais plus, Z. Enfin, ça n'a pas tellement grave, hein. Ça n'a pas tellement d'importance. Et deuxième session, c'est le chef de la résistance SSANI.
voyez à quel point c'est délicat, parce que vous captez le chef, vous allez capter le chef en remote view, mais vous ne pouvez pas ni le décrire ni donner son nom, parce que sinon, les méchants, ben parce que ces renseignements-là passent sur le net, quoi, je veux dire. Donc là, les méchants, ils vont dire « Ah bon ? Mais cache bien son jeu, celui-là » Vous voyez ? Il ne faut pas déconner non plus. Ce n'est pas juste satisfaire notre curiosité, c'est des affaires sérieuses, là. C'est très sérieux, en fait. All of you were handpicked before you became a flesh in your land. Would... Alors là, je n'ai pas bien compris, mais c'était du style, vous avez intérêt à piger ça avant que vous ne deveniez de la viande, sur votre terrain. We together can and will change the dynamics of the universe. Nous, ensemble, vous et nous, allons et pouvons changer la dynamique dans l'univers, la dynamique actuelle. For you are all slaves too. Parce que vous aussi, vous êtes tous des esclaves. Voilà. Et mais oui, mais on a le 13e mois. Hein? Vous avez vous, votre moi, le moi supérieur, il y a même le 13e mois. Lamentable. Bon. On passe. On reprend. Stay aligned with your cause. Restez aligné avec votre cause. Do not allow anything to waver. N'autorisez rien à vous disperser. Do not fall under their veil. Ne tombez pas sous leur coupe. The ultimate controllers, the reptilians and Orions, les contrôleurs ultimes, les reptiliens et les Orions, do not seem to care much for the slave populations. Ne semblent pas prendre, enfin, avoir tant de considération pour leur population esclave. Downstream, so to speak, other than to ensure that they continue to maintain. Si ce n'est de s'assurer qu'ils continuent à bosser pour eux. In control over those populations. Et que eux gardent le contrôle sur ces populations esclaves. Les populations esclaves semblent être conditionnées à penser que leur situation est tout à fait normale, que c'est leur destin même. Je vous dis, et en plus, on leur a filé un bouquin. Article 1, le chef a toujours raison. Article 2, quand il a tort, appliquez l'article 1. Le chef, il a écrit ça, les gars, ils arrivent et ils suivent ça. Ah, là, je fais une petite allusion aux religions, ouais, et aux gens religieux. On n'oublie pas, hein, la religion n'a quasiment rien à voir avec la spiritualité. La religion, c'est finalement un accord de traite de louche. Vous leur donnez l'autorisation de vous loucher à la louche. Alors, L-O-O-S-H, le louche, c'est ce débordement émotionnel, énergétique, dont ils se nourrissent ou qu'ils nous trahissent au niveau, on va dire, ésotérique, mais au niveau, certains disent subliminal, non, ce n'est pas subliminal, c'est éthérique en tout cas. Reprenons. And that this is just what they do. At the bottom rung of the slave populations are subjects commonly known as greys and other subjects who are genetic mixtures of grey and human DNA. Donc, dans les basses couches de cette population esclave, il y a des personnes qui sont des gris et des hybrides de gris. Hey, and we call these slave populations are subjects commonly known as greys and other subjects who are genetic mixtures of grey. Qui sont des mixtures, des mix génétiques. Grey and human DNA. Entre des gris et des humains. And we call these hybrids the Esesani. Et on appelle ces hybrides des Esesani. Well, since the earliest days at Farsight, we had known about a different group within the gray and hybrid Esesani population. Alors, depuis les débuts du Farsight, ils ont été au courant d'un groupe différent, un groupe, on va dire un groupe différent, au sein de cette population qu'ils ont appelé les Esesani résistants. It is a resistance movement.
Indeed, in general, it may not be possible to have a large slave population without also having a... Il semble que d'une manière générale, il n'est pas possible d'avoir une grande population esclave sans qu'il ne se crée en son sein une faction résistante. Resistance movement that is opposed to the continuation of that slavery. Qui va tâcher de s'opposer à la perpétuation de cet état d'esclavage. We at Farsight have long had direct evidence that this resistance movement is very real. Pardon. Ici, au Farsight, ils ont eu, enfin, nous avons, dit-il, depuis longtemps des éléments de preuve comme quoi ce mouvement de résistance existe. More about our involvement in the continuation of that slavery. We at Farsight have long had direct evidence that this resistance movement is very real. Oui, qu'il est vraiment, qu'il est réel, ce mouvement de résistance. More about our involvement with this resistance movement will come out in future months and years. Et dans les mois et les années à venir, vous aurez plus d'indices de leur part sur ces interactions entre nous et ces mouvements de résistance. Nous, humains. Hein? Farsight au sein de l'humanité. Subject, you can see me. Donc, là, nous sommes avec Shantae. Et elle est en contact avec, a priori, un gris, hein, une entité plutôt grise. Auprès duquel elle se manifeste, qui l'aperçoit. Elle se manifeste en faisant la procédure d'illumination. J'entends par là, si j'ai bien compris, vous approchez en contact de l'entité et à ce moment-là, vous manifestez en émettant une pulsation de lumière de vous-même. Pouf ! Vous voyez ? C'est un instant de concrétisation de votre volonté, conscience, intention, qui va en même temps émettre une signature de vous-même. C'est-à-dire que les entités perçoivent, si elles peuvent, perçoivent votre intention en même temps. Enfin bon, votre présence, votre conscience, votre intention, votre signature, votre identité, c'est... non, ce n'est pas un QR code, non, je ne dirais pas ça, c'est tellement mieux. Et en plus, c'est vous qui le faites, c'est officiel, et si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas, vous voyez, ça n'a rien à voir avec ces codes de... Donc, elle fait une sonde profonde de son esprit, à lui. Do you know who I am? Elle lui demande, tu sais qui je suis? Ou vous savez qui je suis? Je ne sais pas, on se tutoie dans la galaxie? Ça dépend avec qui, je pense. Hein? Ouais, voilà. Vous n'avez peut-être pas envie de tutoyer tout le monde. Par contre, nonobstant le respect, a priori normalement mutuel et réciproque, il est bon de pouvoir tutoyer les entités, puisque sinon, vous risquez de vous placer, en général, à tous les religieux qui s'amuseraient à faire ce genre de travaux, se placeraient immédiatement en soumission vis-à-vis de l'entité. Ce que les Iti bienveillants n'aiment pas du tout. N'aiment pas du tout. Les bienveillants, ils savent très bien comment ça se passe. Et tout de suite, les humains qui font comme ça, les prennent pour des dieux et commencent à leur faire des courbettes et des péchés. Alors qu'eux veulent traiter d'égal à égal avec nous. Maintenant, les mal intentionnés, eux, évidemment, ils se régalent de ça. Parce qu'à partir du moment où vous lui donnez les clés de la maison et vous lui dites « Seigneur, que dois-je faire pour vous ?» Ben, l'autre, il dit, ben, je sais pas, hein, ce que tu veux, de toute façon, j'apprends tout. Là. Hein? Ben, ça finit par être assez logique, quelque part. Et la dernière fois, ou je ne sais plus dans quelle vidéo, je vous ai dit, c'est comme quand vous rendez service à quelqu'un et que l'autre n'en finit plus de vous faire des cadeaux pour équilibrer. Non, mais c'était juste un service en passant, vous n'avez pas besoin,
Il n'a pas besoin de vous le rendre immédiatement. Là, vous n'avez besoin de rien, tout va bien. Restons simples. Non, c'est juste par plaisir, comme ça, à l'occasion. Tac, pif, paf. J'en avais deux, je t'en file là. Tu n'as pas besoin de me le payer, tu n'as pas besoin de le troquer, tu n'as pas besoin de le garder en mémoire. Comme ça, c'est une question d'attitude générale. Si les choses ne s'équilibrent pas parfaitement, ça n'a pas d'importance. Pour toi, ça, cet élément-là, ce cadeau-là, il a beaucoup, beaucoup de valeur. Pour moi, il n'en avait aucune. Je m'en sers plus. Voilà, j'en avais deux. Puis en plus, celui-là, je m'en sers plus. Donc, vraiment, voilà, ça m'encombrait dans ma cave. Je te le file. Arrête de vouloir me le payer, puisque de toute manière, tu me rends service. Parce que, voilà, vous voyez dans quelle intention je place la situation. Donc, les bienveillants ne veulent pas de dévotion, ils veulent du respect normal et de la franchise, de l'amitié, de l'amicalité, j'allais dire. Ça, c'est un peu de l'anglais, quoi. So that he says yes. But now. Donc, le Ziti lui répond oui, mais je ne me rappelle plus de sa question. Do you know who I am? Oui. Elle lui demandait s'il savait qui elle était. So that he says yes. Oh, mais c'est coupé là, hein. C'est juste des petits extraits de la grande séance. Hein. Pardon. Alors, je vais vous spoiler un petit peu, mais bon, c'est pas gênant. Au contraire, c'est la conclusion. En fait, il s'avère que le Farsight a une grande importance actuellement dans cette collaboration potentielle, actuelle et future, entre les mouvements de résistance et dans le changement d'atmosphère de l'histoire actuelle galactique, et notamment terrestre. Voilà, pour l'instant, c'est très très mal parti. C'était très très mal parti, on va dire. Hein, vous avez vu, là, malgré toutes nos résistances et nos mises en garde alentour, il y a un certain pourcentage de la population qui s'est fait spritcher, donc qui est, suivant le nombre de spritch qu'ils ont pris et leur état d'esprit, leur état de conscience, leur état d'esprit, ils sont perdus pour l'humanité. Ils vont pas tarder à calancher, plus ou moins rapidement, plus ou moins douloureusement, assurément à notre charge. Et en plus, il y en a pas mal d'entre eux qui sont mal intentionnés vis-à-vis de nous parce qu'on n'a pas fait comme eux ou parce qu'ils nous traitent de fous, parce qu'ils sont complètement sous contrôle mental, basés sur des mensonges en plus. Hein. Parce que là, c'est clair, hein. Ce produit devait soigner et guérir et prévenir et il ne fait rien de tout ça. Au contraire, il ne soigne pas, il aggrave, il ne prévient pas, il prédispose à choper le CV-19. Entre autres, le CV-19 et ses multiples variants qui n'existent que parce que justement, on n'arrête pas de modifier les réactions des cellules corporelles en injectant des nouveaux produits, de toute manière, dans une atmosphère saturée de Wi-Fi et d'autres ondes du style 4 plus 1, H-1, hein, et même 5 plus 1, H-1. Bon. Mais de toute façon, déjà, la 1 plus 1, H moins 1, était néfaste. La H plus 1, H moins 1, la 1 plus 1, H moins 1, c'est ce qui tournait à l'époque de la grippe espagnole, en fait, à peu près. Reprenons. But now, focusing on the Esesani resistance movement, we have found that there is. Donc, en se focalisant sur ce mouvement de résistance Esesani, this group that is aligned with the good ETs, on a donc ce groupe qui est aligné avec les ETs bienveillants, and who are very active on Earth, et qui sont très actifs sur Terre. They are much more willing to get involved directly with Earth's human population. Et ils ont vraiment envie d'être beaucoup plus directement interactifs avec la population résistante terrestre humaine. We do not see them fighting space opera battles. On ne les a pas vus, dit-il, en train d'avoir des batailles cosmiques spatiales that we humans can witness, right? Que nous, humains, parfois, pouvons observer. Rather, they are active in psychological warfare.
Par contre, ils sont plutôt actifs au niveau de la guerre psychologique. And by this I mean that they are pushing for disclosure with... C'est-à-dire qu'en fait, ils poussent à la révélation, à la disclosure. In humanity, regarding all past and present extraterrestrials. Sur tous les éléments passés, actuels et voire futurs concernant l'humanité. Activity on and... Et la relation avec les activités extraterrestres d'ici sur Terre. They know that their future and humanity's future... Ils savent que leur futur et le futur de l'humanité depends on humans being able to... et sera conséquent de la capacité des humains to control their own destiny. De contrôler leur propre destinée. And the only way that will happen... Et le seul moyen que cela puisse se produire, pardon. Is if humans know their past. C'est si les humains arrivent à connaître leur passé, le vrai, hein, pas celui qui est écrit dans des bouquins qui ont été écrits par des gens qui ne veulent pas qu'on connaisse notre passé. And that includes full knowledge of the activities of the oppressive ex. Donc, ça veut dire avoir une pleine connaissance des activités des ETI méchants, malveillants, oppresseurs, esclavagiseurs, esclavagisants, coloniaux. Extraterrestrials. We call this group the Essesani Resistance Movement. Donc, ils appellent ce groupe le mouvement de résistance Essesani. Largely because members of that. Alors, ils écrivent Essesani. Oui, je me suis trompé là. Moi, j'écris SC. Enfin bon, c'est pas très grave. Group appear to be predominantly part of the activities of the oppressive extraterrestrials. We call this group the Essesani Resistance Movement, largely because members of that group appear to be predominantly Greys and Essesani hybrids. Essentiellement parce que la majorité des membres de ce groupe sont des Gris et des Essesani, donc des hybrides gris-humain. Gris-humain, et je vous dis, de temps en temps, il y a du gris reptilien humain ou du gris mantis humain. Although they are ou plus. Clearly not limited to only Greys and Essesani. Même, bon, ce mouvement de résistance n'est pas uniquement limité donc aux Gris et aux Essesani. Hybrids. Aux hybrides Essesani. Seem to be trying to free not only humanity, et non seulement il semblerait qu'ils essayent de libérer l'humanité, but also the hybrids, mais aussi les hybrides, Greys and Gris, other extraterrestrials, ou autres, enfin, mix avec d'autres ETI, who are among the large enslaved populations, qui font partie de ces larges populations esclavagisées, working under the control, qui travaillent sous le contrôle of the oppressive, des ETI oppresseurs, extraterrestrials. Ce que j'appellerais les parasites cosmiques hein, aussi parfois. Please forgive. Ah, alors elle, là, elle s'est fait un décor. J'ai peint ça. C'est mes couleurs et tout. Enfin, c'est beau, c'est mieux réussi, je trouve, là. The threats I made to get under the control of the oppressive extraterrestrials. Please forgive the threats. Alors qu'elle demande qu'on excuse la menace, la mise en danger. I made to get you to open up. Qu'elle crée en entrant en contact avec lui. I can assure you. Parce que là, elle est en contact avec donc, le chef de la résistance, je pense. Elle lui assure de ses bonnes intentions. That you'll be protected. Et qu'elle va le protéger. Dans la mesure où elle peut, je dirais, moi. Mais enfin, bon, elle est puissante, Princess Jeannet. Et puis, elle a un bon contact, même avec les reptos. Ben, il la tolère. Elle a de telles capacités. Je vous ai déjà dit. Ah, mais je vous l'ai déjà dit. Pardon. On a déjà parlé, va-t-on dire, plutôt. C'est moins agressif, hein, quand même. Et puis, c'est moins barbant. On a déjà parlé de ce qui se passerait si parmi les animaux domestiques ou votre basse-cour, quand vous intervenez avec eux, il y en a un élément qui se retournait, qui vous parlait en français, quoi, je veux dire, avec la voix, ou mentalement même, en vous faisant une remarque cinglante sur notre manque de délicatesse, ou « c'est pas l'heure », ou « j'ai déjà mangé », ou « maintenant on a faim, t'attends quoi ?» Tout de suite, on dirait « ah bon, oui, évidemment ». Si vous commencez à avoir une interaction mentale, intellectuelle, avec ce qu'on considère jusqu'à présent comme des animaux, donc en les rabaissant dans la hiérarchie des vies, comme si on avait un complexe de supériorité par rapport à elles, qui soit soudain annulé, parce que justement, il n'y a plus moyen d'avoir de supériorité, il a le même niveau,
Et si vous communiquez avec des singes, en fait, vous n'avez pas vu comment les singes, les chimpanzés, les gorilles sont plus capables que nous dans la résolution de certains petits problèmes psychotechniques là. Ah, vous avez le petit gorille où déjà il comprend facilement 2000 mots, hein, à partir du moment où il a été éduqué depuis tout petit avec intelligence et pédagogie et tout ça. Mais bon, il est là, il résout les rébus et les énigmes sur l'écran en tapant, hein, c'est un écran interactif, en tapant sur les sujets qu'il faut, et en même temps il bouffe ses cacahuètes. De temps en temps, il s'arrête, il regarde un autre sujet qui le distrait. Et quand il reprend, il a rien oublié. Il s'est fini le problème, quoi. Ça, vous me le faites, moi, ben je perds la moitié de mes phrases, hein. Je fais des encarts qui finissent sur une jambe. Lui, non. Bon, il a que 2000 mots de vocabulaire, mais c'est parce que. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on lui en a pas pris plus, je dirais, moi. Peut-être qu'il y a même des concepts un petit peu plus subtils, mais même les concepts subtils, vous voyez en ombre chinoise une maman gorille qui s'occupe de son bébé, vous ne pensez pas que c'est un gorille, vous pensez que c'est un humain, enfin, qui s'occupe de son enfant. Ouais, peut-être qu'il y a une forme de crâne un petit peu allongée quand même, là, mais bon, sinon, c'est sidérant, quoi. Ah, mais ça calme, là, ça calme. Je vous dis tout de suite, vous êtes. Vous passez en émotionnel, en émotif, vous êtes ému. Reprenons. Aggregate man. Well, in this project, we both observe and communicate directly with. Aggregate man. Oui, dans la mesure où je peux. Well, in this project, we both observe and communicate directly with the Assassini resistance movement. Donc, dans ce projet, ils ont contacté et communiqué directement avec la résistance Assassini. And since that group is hugely telepathic, Et comme ce groupe est hautement télépathique, you will now get a chance to see how telepathy works in practice. vous allez avoir maintenant une chance de constater comment est-ce que la télépathie marche. Yes. But far sight telepathy movement. And since that group is hugely telepathic, you will now get a chance to see how telepathy works in practice. De manière pratique. But far sight telepathy Comment la télépathie marche de manière pratique, visuelle, directe. is a major element in our work. Et ces communications télépathiques sont un élément majeur dans leur travail. Telepathic. You will now get a chance to see how telepathy works in practice. But far sight telepathy is a major element in our work. Oui, Farsight se sert beaucoup de cette capacité dans ses travaux. Donc là, nous avons, ben, c'est le fils de Courtney Brown, c'est Aziz Brown, qui nous a fait, ben, il y a six schémas. Alors, il nous décrit une planète avec une soucoupe qui arrive et qui interfère avec des populations. Sur place, quelque chose qui ressemble à la mise au pas des populations par des troupes armées et des prisonniers qui sont faits. Et par la suite, ben, quelques survivants au milieu des décombres. Hein, dans la dernière case en bas à droite, c'est quelques survivants au milieu des décombres. Moi, j'ai cru qu'il nous décrivait ce qui se passe un petit peu à la frontière au-dessus de Kiev, enfin à l'est de Kiev, là, mais pas vraiment. Hein, là, c'est trop ciblé mon exemple à moi. Enfin, bon. Energetics popping off on the surface of the sphere. And then the next. Donc, il y a un conflit sérieux, hein, parce qu'il y a des explosions. Il perçoit des explosions d'énergie à la surface de la sphère. Alors, qui pourrait être la Terre, pas forcément d'ailleurs. Et vu là où il l'a située, globalement, moi je dirais que oui, pour l'instant, ça pourrait concerner justement nos affaires courantes. Hein? Result of that. Mais ce n'est pas le cas a priori, hein. Ce n'est pas forcément le cas. Je suis trop spécifique là. Is large Ouais, groups. je vous le dis parce que j'ai regardé toute la séance et non, c'est de manière courante, quoi. Enfin, c'est un exemple global. Of these subjects being bound and sort of slouched over and sort of just sadly, at least they look sad, walk. Et les mecs, ils ont l'air tristes, les prisonniers, ils ont l'air tristes. Vous remarquerez que, par exemple, par contre, les prisonniers qui sont faits là en ce moment,
et dont on nous montre des vidéos, c'est-à-dire que vous n'en avez pas des deux côtés des vidéos, hein. Vous n'avez que le côté que moi je dirais pour l'instant bienveillant vis-à-vis de l'humanité, hein. Les gars, quand ils viennent se faire avoir, ils sont un peu penauds, mais deux jours après, quand ils sont dans le réfectoire en train de manger un de leurs trois repas, qui est quand même, c'est pas du Bocuse 3 gros, mais d'un autre côté, ça n'a rien à voir avec les conditions de détention inverse, où on les torture et ceci, cela. Quoi, hein. D'un autre côté, il y en a deux ou trois qui commencent à parler, ils racontent leur histoire, ils avouent, ils demandent pardon, ils demandent la pitié, etc. etc. J'ai cru déceler dans le trémolo de leur voix, je me suis demandé s'il n'était pas assis sur la batterie quand même, le gars encore. Quoi. Il y a des fois, on se demande un petit peu dans quel état il est maintenant. Quoi. C'est assez bizarre. Hein. Into these structures, non-surface structures, whatever you would call them, being surrounded by. Je pourrais vous le montrer, mais après cette vidéo, elle pourrait plus aller sur YouTube. Alors bon, on s'en passera. J'en ferai peut-être une. J'ai pas tellement envie en fait de parler de tout ça, même sur Odyssey et Rumble. Pourquoi? Parce que franchement, quoi, troisième millénaire et des conditions pareilles de vie et une telle attitude politique, c'est déprimant, enfin, vous voyez, c'est affligeant, quoi. On a besoin d'autre chose, nous. On est au courant de ça, c'est bon, quoi. On n'a pas besoin de barboter là-dedans. Hein. Donc, j'aimerais bien, je m'en passerai bien, quoi. De temps en temps, je parle d'un truc comme ça, là, brièvement, mais c'était parce que c'était un coup de cœur, enfin, un coup de. Ouais, je suis quand même tombé dans l'émotionnel, l'émotif, l'émotion. Un peu, puis là, oh, mais c'est insupportable, quoi, le coup de gueule, quoi. Mais bon, je préférerais éviter. Vous attendez pas à ce que je vous fasse ça de manière trop fréquente. Ben, si j'en arrivais à le faire, je sais pas, ce serait pas bon pour ma santé non plus, quoi, hein, ni pour la vôtre, ni pour la mienne. Par contre, s'il n'y a aucune information à ce niveau-là, dans ce sens-là, oui, ben là, je me sens obligé de le faire pour rétablir un équilibre des infos, quoi. Face à la propagande totale de l'autre côté, franchement. Mais bon, sinon, on va s'en passer. Other subjects that look very different and just, you know, padded up with sort of armor and. Donc, il y a une différence certaine, ne serait-ce que dans l'accoutrement, l'habillage et l'armement, on va dire globalement. Entre les populations là, dans la case centrale d'en bas, donc qui cerne les prisonniers par des gardiens. Long object as well, and they're just sort of standing on opposite sides of them like this, while these guys are sort of being escorted into these non-surface structures or into these structures. Indeed, some of these observations appear to suggest that the Essesani resistance movement. Donc certaines de ces observations semblent prouver que le mouvement Essesani est impliqué. Existe et. In part. As a group of subjects who work within ships that are controlled by the reptilian. Et qu'il y en aurait qui sont infiltrés, enfin, qui travaillent parmi les oppresseurs. And on Orion forces. They appear to be working behind the scenes. Ils semblent travailler en cachette, en arrière-plan, derrière la scène. These partially, and this must be. Au moins partiellement. Dangerous to a considerable extent. Et c'est bien évidemment assez dangereux comme position. Dans une certaine mesure. Bon, suite de mon encart du début, c'est la raison pour laquelle ce genre d'enquête dont on diffuse le résultat quasiment en direct alors que l'action est en cours est dangereux pour les agents. De quoi on a accusé Snowden? De mettre en danger l'identité des agents américains sur place, des espions américains, hein? Et là, on pourrait considérer Snowden comme étant faisant partie de la résistance SSNI. Enfin, si on extrapole et vous voyez ce que je veux dire, quoi. Si je fais une parabole ou une comparaison, comprenant. And their bravery to operate in this manner should not be underestimated. Et donc, le courage dont ils font preuve
en ayant une telle attitude ne doit pas être sous-estimé. Oui, ben on les remercie, bravo. Et c'est fini. Donc, vous pouvez voir le documentaire complet en remote view sur uniquement www.farsightprime.com. Donc, Prime, P-R-I-M-E. Hein. Voilà. Ça s'intitulait le mouvement de résistance SSNI. SSNI Resistance Movement. Bon, ben écoutez. est-ce que j'ai appris beaucoup plus en regardant toute la séance? Ben oui, c'est super intéressant l'approche de ces entités de la part de Princesse Jeannet ou d'Aziz Brown ou de Chantey. Et c'est délicat. Et à un moment, je le dis quand même, hein, à un moment, elle arrive. Et l'autre lui dit, t'es qui toi? Non mais tu vas jamais aller. Arrête, tu attires l'attention sur moi, quoi, presque, quoi. Hein, genre. Voilà. C'est pas mal. Enfin, moi, je vous suggère de vous abonner chez Farsight Prime. Hein. Bon, ben, il faut parler l'anglais quand même. C'est pas sous-titré, c'est pas traduit. Mais si vous parlez anglais, allez voir, vous me direz. Hein. Il me semble de toute manière que vous pouvez lancer un abonnement durant lequel vous avez accès à toutes les vidéos qu'ils ont faites et puis le résilier assez rapidement et même vous faire rembourser. Donc, voilà. C'est pareil sur les crypto-viewers. Algaïr, comment il s'appelle Dean ? Non. Algaïr. Il vous dit, prenez pas l'abonnement le 28 du mois, prenez-le le 1er du mois, comme ça vous avez un mois pour fréquenter toutes nos séances, et puis à la limite, résilier votre abonnement et vous faire rembourser. Lui-même, il nous le dit. Hein. Il est assez sympa, mais il n'arrête pas de faire de la pub pour ouvrir, ouvrir l'information et recueillir plus d'abonnés, évidemment. Ce qui est normal, hein, ce qui est logique, c'est leur moyen de vivre. C'est leur boulot, c'est ça qui les rémunère. Alors, faut pas déconner. Quoi. Par contre, je ne sais pas ce qu'ils pensent de tous leurs travaux sur les crypto-monnaies en ce moment. Ben, avec mes blocages sur PayPal et tout ça, l'abonnement s'est résilié de lui-même. Et je ne suis plus tout ça depuis longtemps, en fait, depuis un moment. Quoi. Presque une année ou un truc dans le genre. Donc. De temps en temps, on a des petits extraits sur YouTube. Mais là, je n'ai pas vu les derniers. Et je crois que ces derniers temps, ils parlent d'autre chose. Je ne suis pas gentil, mais bon. Je suis désolé pour des gens qui voient le futur. Quand normalement, il faut anticiper. Ils l'ont peut-être fait. Ils l'ont peut-être fait. Je n'en sais rien. Hein. Donc, peut-être que je rigole comme une dinde dans le vide. Mais peut-être pas. Je n'en sais rien du tout. Bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va voir... Pussy Hall. Ça a été super le fun d'avoir 10 000, peut-être 100 000 personnes à voir cette vidéo, mais bon. Le mari de fécondité que je vous ai montré récemment. Là. Donc, je la découvre avec vous, hein, donc vous ne m'en voudrez pas de... il faut que je m'éloigne du centre de l'écran. Enfin, je ne sais pas, c'est pas moi qui gère ça à l'édition de toute manière. Alors. Ça n'a rien vidéo, je crois. C'est l'endroit, ce que je vous dis, aussi, qu'il y a beaucoup d'ovnis qui passent dans cet endroit-là. Je pense que vous comprenez comme il parle. Hein. Donc, il va focaliser sur un endroit où il a remarqué une grande circulation d'ovnis. Et on dirait que je n'ai jamais vraiment mentionné. OK, oui, à part de ça dans le cercle. Dont il pourrait ne jamais vraiment trop avoir parlé, à part ce qu'il a cerné dans le cercle, là. Et ce qui est drôle, hein, c'est qu'en plus, là, on a l'impression qu'on voit une traînée derrière. Enfin bon. La NASA de Apollo 11, là, vous savez, c'est juste au-dessous. Hein? Vous savez ça. Hein? Je vous ai dit que les... Donc là, il a pris une photo, mais au bout de chaque flèche rouge, il y a un ovni.
un ovni à la taille conséquente. Hein. Ben, un cratère comme ça, ça fait en général entre 30 et 70 km. Donc là, je sais pas, l'ovni fait presque 10 km de diamètre, je dirais, moi. Bien, sortait au-dessous du marais de fécondité. Hein. Autrement dit, les ovnis sortent jusqu'à... Ben là, j'en sais rien du tout du diamètre de ce cratère, en fait. Supposément. Et je dirais qu'il a oublié, il en a oublié un, hein, l'ovni. Alors, Brice. Salut, Brice. Super sympa, en fait. J'étais sur son live d'hier, là. Super sympa, il accueille tout le monde très gentiment. Il est ouvert, il est content de voir des gens intelligents. Parce qu'il y a des trolls aussi, il s'est fait vachement troller, par quelques Français d'ailleurs, et de manière bizarre, hein, parce qu'il me semblait que ce Français-là, il était plutôt intéressé à la chose. Et il n'a pas resté essayer de débunker, il nie, il dénie. À un moment, j'ai envoyé un petit commentaire disant, tu sais, il y a plein de gens qui nient, qui dénient, qui essaient de débunker à tout prix, mais c'est juste parce qu'ils sont sous contrôle mental à la suite d'une abduction qui leur a fait justement prendre le programme de « ça n'existe pas et tu vas travailler de notre côté contre la disclosure hein? ». Voilà. Bon, reprenons. Comprends? La théorie. Ça, check bien les théories. Incroyable, on va en parler samedi de ça. Et dimanche, parce que je vais faire des streams aussi, l'eau. Puis tout le blanc, c'est le sol. Comme ça serait des îles. Source de pouvoir. Ah, mais là-dessous, moi, je vois même une ombre. Là aussi, je vois une ombre. Et là, il y en a deux. Il se court derrière. Celui-là, il a laissé une traînée derrière. Et par contre, là, l'ombre, elle est au-dessus. Là aussi, il y a de l'ombre au-dessus. Ben bon. Énergie ou quelque chose? Voilà, le petit que j'ai dit qu'il n'avait pas vu, là, l'ombre est en dessous. Enfin, il va nous le mettre en animé, je pense. Des chemins, pistes d'atterrissage d'avion? Oui, avion. De l'endroit où ce que supposément l'Apollo 11 aurait été. Alors, Bruce, il a des moyens de prendre des prises de vue qui défrayent la chronique. Hein. Il ne donne pas ses recettes de cuisine, on va dire, ses recettes du chef, mais il montre des trucs qui bougent, il montre... Il y a des lumières qui bougent, il y a de la chaleur, il y a des envois de projectiles ou de jets. Je pense que vous fréquentez son site hein, parce que ça vaut le coup. Hein. Terry, OK. Qui a été ou non, c'est ceux qui nous l'ont pas montré, comment ce qu'ils ont été, mais ils ont dit qu'ils ont perdu la manière. Vous voyez, quand vous prenez une un bout de film et puis que vous avez les lumières comme ça qui se déplacent d'une image à l'autre, vous dites, attends, là, il se passe un truc ou quoi? Pour quelle raison, là, il y a une lumière qui bouge? Et puis, d'où vient l'éclairage? Si c'était le pic d'une montagne éclairée par le soleil frisant, OK, mais là, le pic, il n'est pas censé bouger quand même. On voit carrément les objets avec un feu derrière, peut-être même probablement, wow, une propulsion d'un fioul. Ou quelque chose. Tu sais, les histoires qu'on entend... Donc là, je suis un peu en accéléré, c'est peut-être pas nécessaire ce coup-ci. Des professionnels, là, qui même probablement, wow, une propulsion d'un fioul ou quelque chose. Tu sais, les histoires qu'on entend, des professionnels, là, qui nous parlent d'OVNI, là, comme Linda Moulton Howe et tout ça, j'ai beaucoup de respect pour eux autres, mais ils n'ont pas d'expérience d'avoir vu eux autres mêmes. Ben, il n'y a pas que ça, Linda, elle est gentille. Sur certains sujets, elle est pointue, et sur d'autres, elle est gravement à la bourre, quoi, je dirais. Hein. Elle est consciente que le gouvernement cache tout au niveau ZITI. Par contre, elle fait confiance complète sur les déclarations du gouvernement quant à ce qui concerne le climat, par exemple, ou les spritch. Donc, franchement, c'est affligeant parce qu'il y a tellement à lui redire dans ces niveaux-là. Après, ça décrédibilise un petit peu la confiance qu'on pourra en voir dans ce qu'elle amène sur les sujets OVNI. Mais enfin, non, sujet OVNI, à l'époque, abduction, mutilation de bétail, etc., etc. Et puis, on sait aussi qu'un soir, elle s'est fait menacer dans sa voiture avec un flingue directement par un Men in Black, on va dire, qui lui a dit « Là, il faut que tu arrêtes. » En clair, hein. Et c'est pas elle-même qui raconte ça. Hein. C'est un collègue à elle à qui elle a parlé de ça et qui en a parlé légèrement un jour.
façon, on se doute bien. On se doute bien. Il y a deux, trois personnes là, qui arrêtent leur chaîne YouTube parce que la pression du public et des services spécialisés ou pas devient trop forte. Et que les gars, ils ont de la famille et ils disent, bon, ben, ça va, quoi. Ouais, je peux faire autre chose. Pas non. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est toujours des histoires, des histoires, des histoires. C'est important de voir la vérité. Pyramide sur la Lune, au-dessus de 50, peut-être même des milliers, je suis rendu. Alors, pourquoi pyramide? Ben, regardez l'ombre, là. Vous avez une ombre triangulaire magnifique, là aussi. Et peut-être là aussi, il avait montré. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça ne ressemble pas à une façade de pyramide, ça. C'est à peu près une centaine. Mais moi, j'ai d'autres images qui ont été prises lors d'un alunissage, peut-être à Apollo 17. Hein. Oui, 17, 18 et 20, ou 19 et 20, ils ne sont pas censés avoir existé. Hein. Ouais. Non, pas pour le public. Mais la NASA, c'est militaire. Et les militaires ne nous tiennent pas au courant de tout ce qu'ils font. Hein. De chaque fois qu'ils envoient une fusée, un satellite ou autre chose, d'une part. Et d'autre part, je ne démords pas du fait qu'a priori, depuis 1947, il y a de la rétro-ingénierie d'OVNI et que les OVNI, ils n'ont pas une fusée au cul. Ils marchent autrement. Soit la Tesla électrique, soit les doubles torus qui tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre l'un par rapport à l'autre, hein, soit, je ne sais pas, l'élément 115, soit autre chose encore. Hein. Et sans compter qu'on peut aussi, des fois, aller quelque part sans prendre un véhicule, mais en prenant un portail ou un Stargate ou un wormhole ou... Ou des fois, mettre la cabine Apollo au sein d'un OVNI qui, lui voyage à sa manière. J'avais donné comme exemple, c'est comme quand vous avez un vélo dans la caravane, quoi. Vous voyez, vous arrivez sur place, vous posez la caravane et vous déplacez en vélo après. Vous n'avez pas fait 800 km en vélo, pourtant le vélo, il est sur place. Voilà, comprenons. Ils sont là. Comprenez-vous simplement que la lumière... Vous ne voyez pas qu'est-ce que... Ça a été coupé, là, c'est lui qui coupe. J'ai marqué 56 commentaires ce matin. Test 56 fois, juste pour le fun. Puis laissez-moi savoir si vous en voyez. Donc là, c'est une reprise en zoomé de ce qu'on vient de voir. Et là aussi, hein, là, l'ombre, elle n'est pas conséquente avec ce qu'on pense être le sommet. Là. Nombre plate. Enfin, au sommet tronqué. Fait que d'autres preuves. Hey, regarde l'objet. Ah, ben, j'ai une super... Donc, je vous disais qu'il y avait eu des vues de Apollo 17, 18 ou 20, ou dans la brume, parce que la NASA a photoshopé les photos. On voit vraiment un triangle magnifique, une face de pyramide. Magnifique dans sa rectitude. Hein. Pas dans sa netteté, puisque justement, la NASA a photoshopé. On arrive à rectifier un petit peu les contrastes et tout ça et à voir ce qu'ils veulent nous cacher. Conclusion pour vous tous. La lumière, là, s'éparpille à terre. It spreads out, la lumière. La lumière, dans la nature, n'a pas un côté droit. Hein? Fait que les ovnis. Là, vous voyez l'ovni qui rentre dans un endroit plus éclairé. Il est là-haut, là, gris. C'est le reflet. Il descend, paf, là, il est passé sur des... Au moment où il passe à un endroit où c'est plus... Il y a une émission de lumière, on va dire. Il y a une source lumineuse. Ben, ça l'allume lui aussi, quoi. Ça l'éclaire lui aussi. La noirceur sur le long de la Lune. Il est assez haut pour être moins dans l'ombre du sol. Ceci. Ils sont tellement élevés. La noirceur. Tu vois aussi la noirceur où les objets sont élevés. C'est des tours gigantesques, pyramidales. Définitivement pyramidale, surtout que les objets sur la Lune sont écrasés par terre, sauf quand on regarde la ligne du Terminator, mais il ne devrait pas être aussi aiguisé.
c'est impossible de la Terre que je vois quelque chose aussi aiguisé à moins qu'il sort au-dessus de l'atmosphère. Voilà. À mon avis, ce qu'il, pas dans ces images-là, mais dans le début de sa vidéo, là, ce qu'il arrive à percer, c'est justement la couche holographique qui nous camoufle ce qui se passe vraiment dessous. Et s'il y a un sommet montagneux qui sort de cette couche-là, c'est ce dont il vient de parler. C'est-tu beau, hein? C'est-tu pas cute? Peut-être juste une théorie. Hop, ben, on le voit bien, là, quand même. Hein? Bon, excuse, mais honnêtement, là, prenez-nous pas pour des épais, là. Regarde ici, en faisant une simple négatif d'image, une inversion, nous voyons, hein, pas besoin de les pointer. Tu vois, selon les... Ah ben oui, là on le voit en blanc. Et puis, il est vraiment, c'est vraiment marqué, quoi, net. Or, quand vous avez un objet net, par hasard, hein, qui tombe sur une surface modelée, l'ombre, elle est rarement droite. Elle va suivre le relief. Et là, ce n'est pas le cas. On voit bien. Puis les autres dans le centre, moi, je les vois pareil. Mais il faut vraiment prendre le temps pour les voir à cause que... Donc, ça veut dire que c'est plus effectivement un objet pyramidal ou triangulaire, en tout cas. Ben oui, le reflet de la noirceur, c'est la noirceur qui est en train de passer entre toutes les bâtisses puis nous montrer les edges avec la lumière. Donc ça, c'est les vues que n'importe qui peut avoir avec son télescope. Ce n'est pas les vues avec la méthode de Bruce. Hein, qui te lâche. Si tu n'as pas de lumière, tu ne vois pas de bâtisse, mais la noirceur, les ombrages nous aident aussi. C'est les vues de Bruce, mais pas avec sa méthode, avec la recette du chef. Il y en a un que j'ai pu montrer pareil. Bon, je vais un peu plus loin. Je ne vous mets pas toute sa vidéo. Et une chance, j'en ai parlé au strip. Et alors, aujourd'hui ou demain, il va nous mettre sûrement des photos de l'éclipse, s'il a pu l'observer, parce que la Lune était sous un... Enfin, on avait un ciel couvert. Donc, quelquefois, parce que... C'était vers les 5 heures ce matin, là, qu'on pouvait l'observer chez nous. On commence à probablement penser... Tabarouette, vas-tu plaquer, respectablement. Donc, des fois, vous filmez des trucs, c'est hyper rapide, il faut ralentir l'image 100 fois. Triangle sur la Lune, j'en suis sûr, avec des gros télescopes sur Vénus et les autres planètes. Vous voyez là, au-dessus, l'OVNI qui passe discrètement. On va voir. Il va falloir que je vous montre et je fasse une vidéo. On va analyser là, plusieurs... Bon, lui, il n'est pas sur la surface, hein. Mais il est... sacrément grand quand même. Un de vous, vous m'avez mentionné sur Mars, il y a eu des trouvailles. Moi aussi, je l'ai entendu. Même la chaîne de musique. Donc, vous savez que les agents ne sont pas jaloux de la musique, là. Ils ne feront pas descendre les chaînes de musique. Ou bien qu'ils font ça pour tromper. C'est ça, la gang. Les triangles, encore, on les voit très, très bien. Les objets... Ça pourrait être l'ISS ou... Un hélicoptère? Devant le soleil. Imagine, c'est ça, c'est... Mais c'est le soleil, je crois, qui est derrière. Du plasma, excuse. Oui, le soleil, c'est une boule de plasma, oui, c'est ça. Qui sort du soleil, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, c'est une question de densité. C'est ce qui nous manque à notre académie de physique, c'est ces notions-là. Des structures de plasma. Il y a un nom pour ça. Et un champ. Ben, il y a une densité de plasma supérieure, il y a des fréquences différentes, il y a quoi? Je ne sais pas trop. Hein. Il y a quelque chose. Une comète, Bruce, c'est une comète, ce n'est pas un vaisseau spatial, quelqu'un m'a dit. Non, absolument, la gang, merci. Et oui, je vous dirais, non, c'est vraiment un vaisseau, ce n'est pas une comète. Même si la personne me l'a dit juste parce que sol. Comme je vous ai dit, hop. Regarde l'endroit que je vous montre. Donc là, je le mets à vitesse normale parce que c'est encore des déplacements d'OVNI, a priori. On voit les points lumineux qui bougent. Quoi. Une paire de... Il y en a plein. Hein. Hey. Il y en a 2, 3, 4 là. Les OVNI qui sortent du sol. Comme je vous ai dit, regarde l'endroit que je vous montre.
C'est là que tu atterris, juste à droite, les amis. Okay? À droite ou à gauche? Allonge. Et au-dessus, on a le marais de fécondité où ce que nous voyons. Toutes ces lignes, et oublions pas, les différents... La marée, la mer. Niveau où ce que... Quand tu vois une inclinaison de deux lignes, comme je vous dis... Oh là là, il y en avait tout un essai, un essai. Je vous ai montré qui incline vers le sol ensemble à plusieurs mille de distance ben oui, bravo. De l'un et l'autre. Ça confirme 101% que c'est construit, là. Définitivement. Elle demande un géologue. Elle demande à... Et vous voyez, hein, des fois, c'est des courses erratiques, enfin, pas erratiques, en zigzag. Des fois, non. N'importe qui. Quelqu'un qui est un archéologue, les autres, ils ne parleront pas. Je vous le garantis. Ils ne diront pas un mot. Ben, ce n'est pas grave. Voilà, ben merci, Bruce. Et maintenant, peut-être, on va enchaîner sur Kim. Rapidement. Hein. Hop. Bon, j'en ai vu une bonne demi-heure. Je vous dis, on va avoir du mal à trouver de quoi faire une preuve. Hein, vous allez voir. Areas to cause changes in the timeline that had already been moving on. There were other people trying to plan for the others. A special writer was that connection. So should we just start where we left off? Yeah. The 7th of May. Donc on va commencer par là où on a fini. We found something really, really interesting on that. Donc c'était plutôt moins vers le 7-8 mai. Hein. Day. It was remnants from something called Operation Wall Rider. Donc, il y avait des restes de l'opération Wall Rider, le cavalier du mur. And Operation Wall Rider was that connection to... Ou quelque chose comme ça. Enfin, Wall Rider, on va dire. We would call the Matrix. Okay. À propos de la matrice. And what does that mean? Okay, so at several different locations around the world... Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, à certains endroits sur la planète. It looked like a hall of mirrors. Il y avait comme un... Une salle des glaces. But they're not actual made, you know, they're not made of glass. They're mais ils sont pas faits, c'est pas des miroirs faits avec du verre. Made of a special crystal. Mais plutôt de cristaux spéciaux. Where you could see the past, present, and future. Où on pouvait voir le passé, le présent, le futur. But you could also connect to other timelines. Mais on pouvait aussi faire des connexions avec d'autres timelines. D'autres lignes temporelles, bon. There was a lot of information. This was something that et en tirer plein d'informations. That was not, humans were not allowed into the act. C'est pas quelque chose à laquelle les humains avaient accès. Actual hall of mirrors, so to speak. This was meant for the others that participated here. Mais plutôt, c'était pour les autres entités qui participent à l'action locale. But it was affecting us. And that's mais ça nous affectait. How we found it. So, et c'est pour ça qu'on l'a trouvé. There were other people trying to get into these particular areas to cause changes in the time. Il y avait d'autres gens qui essayaient de pénétrer dans cet endroit pour provoquer des changements de ligne temporelle. Line that had already been set, done, moving on. Everybody's moving on except for these people. But we do have some really good news at the end of the story. So, okay. So, the first one we found was in Liechtenstein. Donc, ils en ont trouvé un au Liechtenstein. There were 16 de ces dispositifs. 16 locations around the world. Il y en avait à 16 endroits autour de la planète. We had one in Romania, one il y en avait un en Roumanie, in Germany, en Allemagne, one in Denver, un à Denver, one in Brazil, Brésil, one in... au Brésil, voyez-vous c'est le Brésil, ben là il y en avait un, ah, c'est pas précis, ah, désolé, Denver c'était précis, ouais, bon, ben, c'est précis, c'est où à Denver, dans l'aéroport, en ville, sous la mairie, place de l'église, je sais pas quoi. Il y en avait un au Liechtenstein, c'est petit Liechtenstein, mais bon, quand vous cherchez une pièce, ça reste grand. Maintenant que c'est foutu, enfin maintenant que c'est... parce que là, l'action a eu lieu, c'est résorbé a priori. Donc maintenant, tu peux nous dire, au 125 de la rue, il y avait ça. Voilà, elle pourrait. Enfin bon, qu'est-ce que tu veux. In Cape Town, South Africa. Cape Town, en Afrique du Sud. We had one in Wuhan, China, no surprise. Il y en avait un à Wuhan, en Chine. I was there, Adelaide, Australia. Ça, elle dit, ça ne nous étonne pas qu'il y en ait un là. Ben oui, bon. Je ne vois pas pourquoi spécialement.
Il y a de tout à Wuhan. Hein. C'est une ville de 40 millions d'habitants. Tu imagines un petit peu tout ce qu'il peut y avoir. Ben, il y a tout ce qu'il y a partout ailleurs. Et là, tout au même endroit, sur en fait, la superficie de Wuhan, qui est énorme, juste énorme. Hein. Donc, oui. Australia, Bangkok. À Bangkok, en Australie, il a dit. Africa. We had one in Wuhan, China. No surprise there. Adelaide, Australia, Bangkok. Oui, en Australie. Je ne sais pas où en Australie, mais on s'en fout maintenant. Bangkok. Sumatra, Indonesia. En Sumatra, en Indonésie. Moscow. À Moscou. Antarctica. En Antarctique. Iceland. En Islande. Greenland. Au Groenland. Toronto. À Toronto. Fairbanks. À Fairbanks. And obviously the main one in Liechtenstein. And et donc la principale au Liechtenstein. This year were they were connected to ley lines, I would say, in some ways. D'une certaine manière, elles étaient connectées à des ley lines. And they were also able. Vous savez, les ley lines, ce sont les autoroutes telluriques centrales principales. Quoi. To use it like a virtual reality machine that. Et ça servait un petit peu comme une machine à réalité perpétuelle. Wasn't virtual, so it was. Qui n'était pas virtuelle. Creating a reality machine, isn't it? En fait, ça créait la réalité. The enforcer came. And he managed. Et les équipes de nettoyage hein, sont arrivées, ont nettoyé. To take all of those out for us, so that was great. We no longer have a matrix, so that's really. Et donc ils ont fait leur boulot, et donc c'est très bien, et nous n'avons plus cette matrice. It's good for us, right? Donc c'est très bien pour nous, hein? C'est très bien, positif, positif. Elle va souligner chaque fois qu'il y a un truc qui pourrait, enfin, qui est anodin ou qui est positif, elle le répète trois fois. Hein? Vous pouvez y aller. Il faut absolument maintenir les idées positives dans le public qui suit ça. C'est bizarre. Ces gens-là, ils sont. On est en pleine guerre et il ne faut parler que de ce qui fonctionne bien. Mais c'est... non, on parle aussi des pertes qu'on a eues. On a besoin de savoir. Je ne sais pas. C'est grave, oui, oui. Alors, c'est bon, quoi. Ceux qui sont encore là sont encore là. Les autres, ben, ils sont plus là, ils sont plus là. C'est la vie, quoi. Mince, on n'est pas chez Bisounours, licorne qui pète rose. Yeah, absolutely. Now, is this a... Ah ben, au parfum de fraise. Thing we could physically see, or is this in another dimension? Alors, est-ce que nous demande Sunny Gold, qui parle là, lui demande, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait vraiment voir, ou c'était quelque chose dans d'autres dimensions? No, you could actually see it. No, oh, on pouvait les voir. Okay. Actually a place, but it was, I would say that maybe the Draco could enter, maybe the Abrax. Donc, c'était des endroits où les Dracos pouvaient entrer, les Abraxas, et d'autres peuples pas d'ici, pas terrestres, pouvaient y accéder et manipuler notre réalité. Elle pense qu'on pourrait appeler ça manipuler notre réalité, pour être précis, comme dans un jeu vidéo. Oh, okay. And we just found out about this. This is like the first time. Well, we've known they've been doing that for a long time. Et donc, on savait qu'ils faisaient ça depuis longtemps. These particular facilities were vacant. Et ces dispositifs-là, ces endroits-là, étaient vacants For a long time. Depuis longtemps, donc inutilisés a priori. Since about maybe a little over a year, year and a half. Depuis un an et demi. So, no one actually could act. Donc là, il y a eu un super bruit bizarre de scission mécanique, métallique, je veux dire. C'est pour ça qu'elle s'interrompt. Access that. I don't know if you heard that. I did. I wasn't sure what it was. I was gonna. Not here. And it didn't happen. Yeah, but it didn't happen. Apparently, someone is listening to this call live. Playing. Donc elle dit peut-être qu'ils sont là en train d'écouter leur session actuelle en live et qu'ils ont interféré. Bon, c'est pas. Pourquoi pas? Oui. Washing the dishes at the same time. It's not me. It's not me. That's not me either. Okay, so. Mais non, j'étais pas en train de faire la vaisselle. Oh, all of the locations now, they're not. Il y en a qui font ça. Ils font des sessions internet et pendant ce temps-là, ils font la vaisselle. Working, the enforcer came in and took them all. Il y a des urgences, vous savez. Oh. Yep. Okay. Yep. So that was a positive for us. Okay. Donc ça, c'était positif pour nous. Ok. Vous voyez le nombre d'éléments positifs. Ok, c'est positif en général. Positif, elle répète.
Bon, donc c'était des endroits vacants dont ils ne savaient plus depuis un an et demi. Malgré tout, ils sont resservis a priori de celui de Liechtenstein, puisque ça surchargeait les ondes et qu'ils s'en sont rendus compte qu'il y avait une émission particulière, d'où leur intervention. Mais pas une vidéo. C'est dans notre dimension, on pouvait le voir, c'est suite à la question de Sonny Gold, là, on pouvait le voir, mais non, on n'aura pas de vidéo, on n'aura pas de photo, on n'aura rien du tout. Je ne sais pas combien d'années encore elle va nous trimballer là. The black nobility, Donc à propos de la noblesse noire, the SSP, les SSP, and some of the German members or generals were also, et certains membres allemands, les généraux, present at a meeting on the same day, where, tout ce beau monde qui était présent au meeting au même jour, where they sat around playing the blame game, and this, ils sont, was a pre-meeting they were going to have with what you would call lower level generals, like your five star generals and those. Ils ont eu une prise de tête avec des sous-gradés. Types of folks. And so everybody sat around blaming each other for why their timeline didn't come through. S'accusant mutuellement d'être la cause pour laquelle les lignes temporelles ne sont pas arrivées à être elles-mêmes. Enfin, ce n'est pas celle qu'ils avaient décidé qui serait, qui est. And they took it back to a mistake that they made on the 17th of April. Et c'est remonté jusqu'aux erreurs qu'ils auraient fait le 17 avril. So, yeah, what was that? What mistake was that? Et c'était quoi comme erreur, demande Sony. You know, I don't know. They didn't say. They were just, they said that. Oh, on ne sait pas. Ils n'en ont pas parlé. That's where it all started. And you guys really screwed up. We were just listening to the back chatter of the phone call and the conversations that were taking place. And everybody, Black Nobility said it's all your fault that this didn't work out. And, you know, if you hadn't done bleep, bleep, you know, swear word on the 17th, then, you know, we wouldn't be here right now. Alors, c'est très intéressant parce qu'elle dit, on ne sait pas, mais si vous entendiez la conversation, il s'accusait, si vous aviez fait, et là, elle dit blip, blip. Pourquoi elle dit blip, blip? Est-ce qu'elle a écouté la conversation? Est-ce qu'elle était présente? Si elle est là, pourquoi elle dit blip, blip? Pourquoi elle ne dit pas, si vous aviez, je ne sais pas, craché le marché à Londres ou fait couler tel navire ou je ne sais pas quoi? Pourquoi elle ne dit pas? Pourquoi est-ce qu'on reste dans la poudre aux yeux, là? Ça m'énerve. Bon, ça ne m'énerve pas, mais ça, vous voyez, je vous en parle, parce que, bon, au cas où, ça peut être intéressant, parce que c'est un mouvement qui doit lancer et entretenir des réseaux interhumains de bonnes intentions dans un but de récupération de souveraineté et de tous nos moyens de vie, hein. Des finances, de tout. Donc, ce serait bien si ça éclot, hein, si l'œuf éclot. Hein, voilà, ça sera bien d'être au courant. Mais sinon, pour l'instant, je vous dis, tout ça, là, c'est beaucoup pour moi du vent. Hein, ça ne tient pas debout. Essentiellement, ça manque de concret, quoi. Hein, et je constate que là, par exemple, on pouvait avoir du concret vis-à-vis de la disparition de ces installations. Et on ne l'a pas. Et elle a toujours le même décor écran vert derrière sur lequel elle met ce qu'elle veut, quoi. Donc, elle pouvait mettre là les vidéos de l'opération spéciale ou les vidéos des lieux avant, après, avant, pendant même et après. Je ne sais pas, on en a sur Azostal, alors... So that was the pre-meeting in which orders were supposed to go out through these people and then on to militaries, right? So your five-star generals and whatnot in each country. So that was. Donc ça c'est un pré-meeting avant que toutes les décisions descendent jusqu'au niveau des militaires. Kind of a pointless meeting. I don't know. Mais bon, finalement c'était un meeting sans raison quoi, sans but, sans finalité. So if they were going to re-meet, I should say. Donc ils vont se re-réunir. The next day. So Black Nobility pulled out all the stops starting that night. Now, by Black Nobility, I'm talking about your remaining coven members. Et donc, quand elle parle de noblesse noire, elle nous parle de ce qui reste des coven, des membres des coven. Vous savez, les coven, c'est ces réunions hyper secrètes, hyper occultes, à des hauts niveaux entre les parents, les représentants Anunnaki, les hauts niveaux Illuminati et autres. Hein. Le 9e cercle. So these are the worst of the worst. People talk about. C'est-à-dire que c'est les pires des pires. Generals and agencies and blah blah blah, but no, these are the guys that we're going to try to make the react. C'est les gens qui donnent des ordres aux généraux et aux agences spécialisées. Already happened. Now they do have
a lot of talent as it relates to energetic issues. So ils ont des talents en ce qui concerne les problèmes énergétiques, les manipulations énergétiques. So if by May 8th, US time, you were woke up and you were feeling horrible, brain fog. Si par exemple, un matin, vous vous réveillez de manière, vous êtes horrible, dans un brouillard mental, just tired, fatigué, weighted down, very heavy, le moral à zéro, hyper lourd, energy, dense energy, like les énergies denses, body felt more dense than normal, you can thank the remaining coven members. Vous pouvez les remercier pour ça. For those issues on that day. They started kind of bon, est-ce que ça vous arrive souvent? Je suis désolé. Non, parce que je suis désolé là. Non, dans ces cas-là, j'ai envie de lui dire, mais il faut boire de l'eau avant de se coucher, dans ces cas-là, pour diluer un peu le whisky, quoi. Ça, quand ça arrive, je sais pourquoi, moi. Et je ne pense pas, à moins que ce soit ma réaction à la réunion des Coven et des Black Nobility, qui feront que le soir, je stresse et je descends la bouteille. Mais sinon, voilà, non. Puis c'est des considérations, une fois de plus, de discussions entre clientes chez l'esthéticienne, là, ou l'énergéticienne. Alors, est-ce qu'ils font ça en chantant ou en faisant des cérémoniaux ou... They were trying to find a way to maintain control and power. Ils essayaient de trouver un moyen de garder le contrôle et le pouvoir. Si vous voulez, on reprend là. Hein. Elle pose une question. Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il chantait? Ou des trucs comme ça? Et elle répond. Ils essayaient de trouver un moyen de garder le contrôle et le pouvoir. Vous avez pigé? Et elle dit OK. Non, tu ne dis pas OK. Tu lui dis non, je ne t'ai pas posé ça comme question. Je t'ai demandé qu'est-ce qu'il faisait. Là, comme activité, leur but, c'est rien à voir, ce n'est pas ma question. Ma question, ce n'est pas sur le but, on s'en doute quel est le but. C'est de garder le manche. C'était quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont fait un sacrifice, ils faisaient une réunion en dansant tout nu avec, sur du 440 Hz, ils faisaient quoi? Non, ils buvaient des produits particuliers. Non, ils essayaient de garder le pouvoir et le contrôle. Elle ne répond pas complètement hors sujet. Mais elle ne répond pas du tout à la question. Et ça, moi, ça ne passe plus, j'en ai marre. Et il n'y a pas qu'elle que j'engueule là-dessus. Hein. Tous les francophones qui discutent de timeline et de futur du cœur et des trucs comme ça, c'est pareil. Hein. C'est des phrases dont ils prennent 5 éléments, ils les mélangent et ils vous ressortent 20 autres phrases faites avec ces 5 éléments, placées dans des ordres divers. Et ça veut toujours dire quelque chose et ça veut toujours rien dire. Ou n'importe quoi. Chacun va y voir ce qu'il veut là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas une réponse, quoi. Vous me demandez ce que je fume, moi, je vais vous dire, ben, le tabac est une plante qui pousse en Amazonie, dont il existe diverses variétés plus ou moins fortes. Mais ce n'est pas ta question. La question, c'est qu'est-ce que tu fumes, là? Bon, ben, je fume du tabac qui pousse en Amazonie. Non, il pousse dans le Bergerac, celui-là. Et il sèche là parce que pour le préparer, il faut qu'il y ait une certaine humidité qui est trop humide après pour le fumer directement. Reprenons. So, we found a total of... Oui, reprenons quand même, quoi. Mais bon, vous comprenez que... Là, j'ai pas... Je n'ai pas causé la case, OK, d'accord, ça va, je suis content, allons plus loin. Là. Je lui laisse encore une chance, on va dire. Hein. Qu'est-ce que je leur ai laissé comme chance à tout cela, quand même, depuis le temps? Je suis un bon élément, hein. Je suis gentil, je suis bon public. Hein. J'espère que je ne vous amène pas aussi, si je ne vous fais pas perdre trop de temps. Hein. Parce que là, on perd du temps, sinon. Okay. Okay. That was interesting. Ça c'est intéressant. It was a pre-evacuation order. Elle a reçu un ordre de pré-évacuation. Immediately, emergency. Et urgence immédiate. It just popped up on my phone. Okay.
qui est sortie sur son téléphone, à elle uniquement. Donc, on va dire qu'il y a un petit malin qui lui a hacké son téléphone et qui lui a fait un gag du style évacuation immédiate. We got the guy running the water, and now somebody wants me to evacuate immediately. Okay. Did it come on your phone too? No, I checked to see if it did, and I don't see anything. Donc, c'est aussi arrivé sur ton téléphone, Sony check, et ben non, c'est pas arrivé sur le sien. Ben, t'imagines bien, ça date du 8, si c'était arrivé sur le tien, tu serais au courant. On est quand même le 16 mai 2022. Si ça avait eu lieu, je pense qu'on avait droit à une petite vidéo warning, breaking news immédiate. Voilà le gag, ou si c'était important et vrai, les raisons d'être. Non. Non, là, on perd du temps encore. Mais bon, c'est de bonne humeur. Je vous dis, on est à la limite d'être au Club Med avec deux gentils organisateurs, animateurs. Hein. Et il y a du soleil, il y a deux nanas. Et Dieudo, il dit, il y a de la nana. Allez, on reprend. Yeah, okay. All right, so when we took out the Hall of Records the day before, this is in part due to this and in part due to that. Okay, so a lot of times these particular, let's call it alien installed technologies, right? Donc, ces technologies aliens installées have a kill switch. Elles avaient ce qu'on appelle un kill switch, c'est-à-dire un interrupteur qui tue, enfin de tuerie, de mort. Or a dead man switch. So a dead man switch is when information... C'est pas un dead man switch. Dead man switch, c'est... j'ai des dossiers, s'il m'arrive quoi que ce soit, ils sont diffusés dans le public. Would go out or something would go out in the event of its death. And this was no exception. So we had found that there was a connection, although the octagon... Bon, je vois pas le rapport là, mais ils ont trouvé qu'il y avait une connexion. Je vois pas le rapport entre le dead man switch et le kill switch. Hein, mais le kill switch, c'est on en a parlé, nous, avec... nous, le public concerné. À propos justement de ces nanotechnologies qui sont induites dans le corps des gens et qui sont stimulables par justement un kill switch, que quand on bascule l'interrupteur, tout le monde fait zombie pendant un certain temps, et quand l'interrupteur est rebalancé de l'autre côté, rebasculé, les gens récupèrent leur conscience, si on peut dire, de zombie, quoi, mais sans même se rendre compte qu'ils ont eu un temps manquant ni savoir ce qu'ils ont fait durant ce temps-là. Voilà. Ça, c'est le kill switch tel que je l'entends, moi. Ou bien, ils ne se relèvent pas du tout, quoi. Hein? Ils sont kill, c'est tuer. Donc, il y a des... Ben, ceux-là, ils ne sont plus avec nous. Ils n'étaient pas humains non plus. Ils ne sont plus avec nous, c'est-à-dire qu'ils ont été éliminés. Hein? There was a definite connection between the octagon... Il y avait une connexion entre l'octogone, le groupe octogone, and the matrix system... et le système matrice. Because the octagon immediately started throwing up some archons. Parce qu'immédiatement, l'octogone nous a envoyé, enfin, a balancé des archons. Alors, les archons, ce sont des entités, quelque part, parasites et agressives, hein, quelle que soit leur taille. Là. Hein? Alors, et on bascule de la tête comme ça en disant, tu vois ce que c'est. Ouais, ouais, on voit ce que c'est, mais bon... c'est flou. Clearing that, we also found a... Mais dans le milieu des énergético-sensibles, là, ah oui, les archons, ça me nifle. Another metadata system. Excusez-moi. Hein. That was causing problems. This would have been more on like the SSP level, generals level. We also found another metadata system that was causing... Donc, ils ont aussi vu un autre système médiatique. Causing problems. This would have been more on like the SSP level. Plutôt au niveau des SSP, generals level, au niveau des généraux, called the NV, appelé the NV. N is in Nancy, V is in Victory, I is in India, D is in Delta, I is in India, A is in Alpha. So, NVIDIA. C'est le nom de ma carte mère ou la carte image. Comment on appelle ça là? NVIDIA. Tous ceux qui jouent aux jeux vidéo, ils ont des super cartes hyper puissantes, NVIDIA. N-N-V-I-D-I-A. For sure, we call it NVIDIA. Bah, ça date d'il y a longtemps, quoi. Mon premier ordinateur déjà avait ça, en 2005, ou je sais pas, un truc dans le genre. NVIDIA.
Okay. That was being used as a backdoor to all government systems worldwide. Donc, c'était utilisé comme backdoor au sein de tous les gouvernements mondiaux. They were selling it to governments as c'était vendu au gouvernement. A quantum computer system that you could et le système de computer quantique use, install, quantum this. And this utilise ça. Reminded me the scenario that they used to get backdoor access to all governments. C'est le scénario dont ils se servent pour avoir accès à toutes les données gouvernementales through echelon, par le biais d'échelons. Remember the movie mm-hmm. Snowden? They were gaining backdoor. They were selling things like Stingray, which is a security program. Et quand ils vendaient des programmes comme Stingray, qui était un programme de sécurité, which really gave them access to whatever it was they were looking for. Ça leur donnait vraiment accès à tout. Or stock markets worldwide in that case. Au marché de change, au stock market ou autre chose. And this was no exception. This was an attempt to almost recreate Echelon. Donc c'était une tentative de recréer le système Echelon. Qui soi-disant a été détruit hein, il y a quelque temps, nous disait-elle, il y a un mois ou deux. Piece by piece and bit by bit. I know they had already sold it to the British government, and I. Et de le rebâtir petit à petit, pièce par pièce. I think the Chinese government. Au sein du gouvernement anglais ou chinois. I'm not sure. There was a couple of other governments in there that they were selling this software to. Et donc il y a quelques autres gouvernements auxquels ils ont vendu ce software. Quantum computing. Pour le. L'informatique quantique that gave them full access to all your information. So, qui leur donnait plein accès à toutes vos informations. If your government purchased this type of system, et vos gouvernements achetaient ce genre de système from the NVIDIA, you de NVIDIA, may want to rethink that and turn that off because otherwise all your information, well, none. Ce sur quoi ils pourraient réfléchir un petit peu parce que sinon toutes vos données seront perdues. Anymore, but all enfin, perdues. Your information was going partagée to this metadata system. Okay. And how would we have known? Like, was there anything that we would see on a regular basis that we'd be able to tell if our governments were doing this? No. No. So we're just like. Et comment on pouvait savoir est-ce qu'il y avait des moyens? Non. Up in the dark is normal. Yeah. Alors, je suis désolé. Hein. En 2005, déjà, je dis, c'est quoi ce truc obligatoire que tout le monde a, super puissant, puce à l'oreille monstrueuse, quoi. Bing. Une puce comme ça m'a mordu l'oreille. Hop. Me remettre à l'écran peut-être. Ouais, je me vois plus quand même. C'est pas que je me regarde, mais si je suis à moitié hors de l'écran, allez, on reprend. The governments were left in the dark too. Oui, les gouvernements étaient laissés dans l'ombre aussi, dans le la méconnaissance aussi. Encore, mais ça va pas. Non, je sais bien qu'il y a des panthères au gouvernement, mais dans leur service, il y a des pointures. Hein. Et si moi, petit clampin du bout du monde, pas du tout branché informatique, j'ai une putain de puce comme ça à l'oreille, quand je tombe sur ce genre de situation, de système, comment se ferait-il que des spécialistes pointures eux-mêmes ne soient pas même carrément pliés de rire en disant « Regarde, regarde comme ils essayent de nous enfler et mettre un holà ». Bon, je sais bien que Clinton, Hillary, elle a acheté plein de matériel militaire bourré de puces chinoises, ce qui fait que les Chinois ont finalement des backdoors derrière toutes les installations militaires américaines. Mais les Chinois, c'est l'ennemi, après, on va nous dire. Enfin, bon, c'est du foutage de gueule, quelque part, c'est hallucinant. De l'autre côté, elle ne bossait pas pour les Américains, ça. Elle, c'est sûr, c'est comme l'actuel, hein, ils ne bossent pas pour les Américains. Ils bossent pour leur club de gangs internationaux qui destroyent la population et la civilisation et qui essayent de, eux, garder le pouvoir, tandis qu'il y en a d'autres qui font à peu près pareil, mais qui, eux aussi, veulent garder le pouvoir. Donc, de temps en temps, ils se luttent entre eux. Mais de toute façon, toujours sur notre dos. Hein. En nous proposant chaque fois le choix entre la peste et le choléra, quoi. Hein, ouais, c'est ça. They couldn't tell anything was going on, but they were collecting all their internal conversations, phone conversations, diplomatic line conversations, everything was being sent. Oui, on a compris, toutes nos données et toutes leurs données étaient à câble. On a compris, tu ne vas pas nous étaler, les citer une par une. Back to the headquarters here in the United States. This also had a connection to a few things that do affect us. Donc ça aussi, ça avait des connexions avec quelque chose qui nous affecte. As graphic cards. Telles que les cartes graphiques. Voilà, la carte graphique NVIDIA. Video games. Les vidéos, les jeux vidéo. All these types of things as well. So that also has been disconnected. Tout ça aussi a été déconnecté. Let's see. Okay, we also found on the same day, and I'm still only on day two, guys. Busy week, okay? Okay, so we also found on the same day. On change de sujet.
Mais le même jour, ils ont aussi trouvé que des niveaux, des computers, des ordinateurs de niveau 5, Manamar. So, remember the Mariana Trench level? Un niveau 5 au, dans le plus profond des deep state, donc. As we discussed the deep web and the deep, 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 deep web and the deep, yeah. And so that was is also no longer with us as well. They were using this computer to send some of those frequencies. Donc, ils sont aussi débarrassés de ce système-là. These through games, frequencies such as things for disease, right? Et ça, ça servait, par exemple, à envoyer des fréquences qui provoquent des maladies. Oui, parce que de la même manière qu'on peut soigner une maladie avec des fréquences, on peut aussi la provoquer, la maladie, avec la fréquence. Yep, you can send disease using a frequency just as you can cure it with a frequency. Ça, je veux bien la croire. So they really are, we're hell-bent on, you know, working on taking us out this week, which we're obviously still here, albeit the guy with the water running and the emergency message on my phone to tell me probably to evacuate immediately and stop talking. So right. I'm not going to stop talking. So if something happens, you know, I'm sure my dog will bark or something will happen. So exactly. Yeah. Bon, blah, 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 blah. That was just so weird, an immediate evacuation order. They'll do anything to get you off air, Kemp. That was a new one, though. Way to go, guys. Evacuate immediately. They're getting creative. They're getting creative. Well, you know how they have those emergency broadcast messages that come up? That's what happened to my phone just now. Yeah. Hey, there's a lot of people waiting for an emergency broadcast telling them, you know, everything's shutting down and whatever, so. Blah, 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 blah. It wasn't that, though. Well, here, they want to evacuate immediately. Yeah. Okay, let's see. Elle revient sur son message d'évacuation immédiate qu'elle a reçu, elle, toute seule. Donc, bon, s'il y a quelqu'un qui l'a reçu, c'est elle qui était ciblée, c'était pour qu'elle se taise, voilà, bon. C'est un gag, c'est quasiment un gag. Ou c'est n'importe quoi, c'est-à-dire elle a inventé, ou c'est un gag. Si les gars, ils arrivent à lui envoyer un message d'alarme uniquement sur son téléphone, ils lui auraient envoyé autre chose comme fréquence, quoi, je veux dire. Et puis je serais inquiète. Enfin bon, non, ça reste un gag entre elles. All right, so we did get some good information. So remember the meeting just the day before that they had, where then they were going to meet with the generals. So donc, reprenons d'autres choses. Vous rappelez le meeting qu'ils ont eu la veille où ils allaient se rencontrer avec les généraux. Speak, right, the regular military folks and les militaires. But not some of the names you would know on TV. Dont certains vous connaissez parce que vous les voyez à la télé. And good news for us is they watched our update from Friday of last week. C'est-à-dire que bonne nouvelle pour nous, ils ont regardé notre update, notre mise à jour du vendredi précédent, là sur UNN. So they started doing some digging into all the sites that we were talking about, the different places. Et ils ont été vérifiés tout ce dont elle a parlé, Kim. Places that we took out, the different things that had. Les différents endroits et installations qui ont été balayés, nettoyés. Happened, and they thought that they were read in on everything. So this was their first. Et il s'avère que ils ont remarqué qu'effectivement, il n'y avait plus rien dans ces endroits. Première indication, everything I said was true. C'est que tout ce que Kim a dit est vrai. Tout ce que j'ai dit est vrai, donc. First of all. And secondly, et deuxièmement, even better, what else don't we know? So now, for the last several days, we've been digging and digging and digging, first of all. And secondly, even better, what else don't we know? Quoi d'autre est-ce qu'on ne sait pas? So now, for the last several days, they've been digging and digging and digging. Donc, depuis les derniers jours, ils cherchent. And trying to find real information. Et essayent de trouver des vraies informations. So, if everybody's watching this, welcome to UNN. Puisqu'ils n'avaient pas des vraies informations, puisqu'ils n'étaient pas au courant. J'ai du mal à gober ça, moi. À admettre, gober, ça sera encore autre chose. Bon, j'avais déjà du mal à comprendre en plus. Les méchants, ils ont envoyé des agents pour vérifier que toutes les installations qu'on avait détruites étaient dans quel état elles étaient. Ils ont remarqué qu'elles étaient détruites. Moralité, je vous disais la vérité. Donc, elle nous a parlé de choses qu'elle pouvait filmer avant et après, qu'elle ne nous a pas ni photographié ni filmé, et dont on lui dit ce qu'elle veut. Et aujourd'hui, elle nous dit que les méchants ont envoyé des agents pour vérifier ça, qu'ils n'ont rien trouvé. Qu'est-ce qu'on en sait? Et que donc, ce qu'elle nous disait était vrai. Mais ça tourne en rond, là. Ça tourne en rond. Toujours pas de photos non plus, hein. Ni de vidéos, ni rien. Ni de témoignages. Il n'y a qu'elle qui parle en lisant un papier. You get the real news. Donc, c'est une très bonne nouvelle.
Okay. All right. So at that time, and we've been talking about this for a while now, that there were about 2,000 left. The good news is I'll wait for the end for that. Okay. So on that day is when we found 124 coven members. Ils ont aussi trouvé ce jour-là encore 124 membres des coven. Coven leaders that were causing havoc on us as well. Qui nous provoquaient des problèmes. Well, not only us, but also all of you. Sur les équipes de Kim, mais aussi le public en général. Trying to figure out a way to reverse that timeline all by themselves. Ils essayaient de trouver un moyen de renverser la timeline. To prove that they were still in power. Pour prouver qu'ils étaient toujours au pouvoir. To the military. Well, pour prouver aux militaires qu'ils étaient toujours au pouvoir. You're so stupid, you know, SSP people or whoever they were talking to, and you know, Jesuit generals, all these people. And you know, we're gonna have to do it ourselves, and we can do it because we're immortal. Donc ils engueulaient les sous-gradés. Et en disant, bon, mais il va falloir qu'on s'en occupe nous-mêmes, puisque vous, vous êtes capable de rien. Power people, or whatever, right? Right. So, they didn't get anywhere. Donc, ces 124, là, ils ont été nulle part. Well, that's not entirely true. They did get somewhere. Non, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Ils ont été quelque part. They actually were offered a trip directly. On leur a offert un billet simple pour la source. Lead to source. Ta-da! And... Là, Sunny nous fait, ta-da! C'est-à-dire qu'on est vraiment pour un public qui regarde la publicité dans laquelle ils reprennent ce petit jingle de Ma sorcière bien-aimée. C'était pour la publicité pour Knorr, je crois. Hein? Bon, je crois que je vais arrêter. Hein? Je vais faire du 5 minutes par 5 minutes là, pour voir si on passe à des choses sérieuses, un de ces quatre. Là. Non, parce que là, je vous fais perdre votre temps. Là. Tadam! On leur a offert un aller simple pour la morgue, pour la source. Oui, quoi, comment, photo, vidéo, explication. Ils sont débattus, ils ont crié, mais maintenant, ils ne sont plus parmi nous. Donc, il y a 124 membres magiciens noirs trying to usher in hell on earth here are now qui tentaient de faire s'abattre l'enfer sur terre no longer with us, so qui ne sont plus parmi nous. For those of you that think we don't do anything all day long, alors pour ceux qui pensent qu'on ne fait rien de toute la journée, voilà, we're just waiting for this is what we're doing, so that, voilà ce qu'on fait. That is a positive thing. Et ça, c'est une chose positive. We also found, okay, so let's fast forward to the 9th of May. We also, je me demande si en même temps ils ne diffusent pas des fréquences subliminales qui balancent un... Vous savez, il y avait une musique, e-musique. Vous écoutiez, c'est un petit peu comme les sons binauraux. Il y a une différence de fréquence entre les deux écouteurs qui vous provoque dans le cerveau la longueur d'onde, la fréquence en 4, 6, 8 hertz ou je ne sais combien, ou plus précisément, qui induit un état particulier dans votre cerveau. Et avec la e-musique, vous pouviez écouter un morceau, c'était cannabis. Vous écoutez le morceau, à la fin du morceau, c'est comme si vous aviez fumé un gros pétard. Il y avait LSD, il y a plein de trucs comme ça, quoi. Juste par la musique. Donc, vous voyez, vous arrivez à créer dans le cerveau la fréquence qui déclenche l'émission d'endorphines ou de tels produits chimiques neuro-efficaces qui vous met dans tel état émotionnel. C'est de la pharmacie sans matériel, mais par fréquence. C'est la même idée que la fréquence qui crée la maladie ou la fréquence qui guérit la maladie ou qui rétablit un niveau d'homéostasie moyen, harmonieux. So found, Mais bon, là, je ne sais pas, je sais pas si vous êtes satisfait de la prestation de Kim. Few more remnants. Ni de la mienne, mais bon, moi, je ne peux plus rien, là. Hein. Ce n'est pas ma faute. Hein. Remnants of the curse of Solomon and the use of gold. Donc, ils sont remontés aussi sur le sort de Salomon, l'ensorcellement de Salomon, sur le trésor de Salomon, l'or. The system and how some of that was tied to a few, let's just say, inabilities to actually utilize that gold. Et sans quoi ça pouvait être utilisé comme or, comme moyen de base pour un système financier, c'est-à-dire qu'il comptait, il compte toujours, récupérer tout cet or et le distribuer de manière égale parmi tous les habitants de la Terre
et qu'on puisse recréer un système financier entre nous basé sur quelque chose de sérieux. In the front-end system, the way that we want to, right? Where we're dividing that gold amongst every human on Earth and then using that to issue money again. So everybody becomes their own bank entity. De manière à ce que chacun devienne sa propre entité bancaire. Themselves, right? Okay, so let's see. Ah, this was a good one. This one on this day. I've... Bon, voilà. On change le sujet. Quoi? Mais elle n'a pas fini sa phrase là ou quoi? Donc ils ont retrouvé des trucs et c'en est où? Bon, je sais pas. On ne sait pas. On verra ça la semaine prochaine, je pense. Remember this one. There is a chip. It is hardware called a field programmable gate array or an FPGA. Et donc ils ont trouvé une autre puce informatique FPGA. Short. This is important because it's in all electronics. Qui appartient à tous les systèmes électroniques. Now, on this day, our cell phone radiation and radiation from appliances and Wi-Fi was off the charts. Alors, en ces jours où les Wi-Fi et autres radiations téléphoniques étaient dépassaient tous les créneaux autorisés. And we couldn't figure out where it was coming from. Et dont on n'arrivait pas à trouver la source. So we traced it back to this chip. Donc, on a remonté la source jusqu'à cette puce. Which has been installed and get this one, guys, was recently bought out by the Clintons' very own. Et qui a été racheté dernièrement par les Clinton. So now we know. La compagnie Hillary Clinton. Is not around, or the real Hillary is not around. And what alors même si on sait que la réelle Hillary n'est plus parmi nous. Whatever that is walking around is just talking. L'entité qui la remplace. Is something else probably, but Intel was made to have a backdoor into everyone's computer system and. S'était débrouillé quelque part pour l'infiltrer dans tous les systèmes d'ordinateurs. And AMD is also part of that now. What... Et l'AMAD, AEMD, AEMD. Before, and they gave all of their backdoors to these FPGA chips to. Et qui ouvrait toutes ces backdoors aux FPGA chips. DARPA. And, utilisé par le DARPA the SSP, et les SSP connected to a laboratory or qui étaient connectés à un laboratoire my lab in Panama. Ou à un MyLab, un laboratoire militaire au Panama qui a été construit en même temps que le canal du Panama. Alors, date de la création du canal de Panama, oh, je sais plus là, j'aurais dit 1875 mais je ne sais plus. Donc, 1875, création en même temps que ce canal d'une installation secrète dans laquelle il y avait la technicité de ces puces informatiques. Quoi? Je suis un peu dépassé, là. Peut-être déjà, en plus, je ne traduis pas excessivement bien, précisément. Oui, c'est l'année d'éthique encore. Enfin, non, ce n'est pas l'année d'éthique, il y en a tous les ans. Et donc, vous avez vu, là, moi, j'ai un chat, quand il a une tique, il vient se coller à vous en vous signifiant qu'il y a un truc. Et comme ils savent que j'ai le petit matériel qui les extrait sans douleur et correctement, ben, ça se passe de mieux en mieux, plus facilement, quoi, quand on la trouve. Reprenons. Yep, and it was built right around the same time as the Panama Canal. Okay, so could they get anything off of our... Et donc, avec un sourire attendu et un hochement de tête, elle nous dit que ça a été fait en même temps que qu'a été fait le canal de Panama. Et il y en a une deuxième, il y en a toujours deux hein, chez lui. Alors, franchement, là, bon, qu'est-ce qu'elle sous-entend? Que ce n'est pas des magouilles qui datent de hier? OK. Et maintenant, bon, pareil, hein. Une petite photo de l'installation, une petite vidéo de du démontage, on va dire. Des trucs comme ça, non? Jamais? Moi, je m'attends à entendre l'indicatif de Bonne nuit les petits, là. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Phones and computers are like, what are they trying to... I feel like they are already, you know, tracking us in every way possible. What else are they trying to get? Alors là, elle pose une question sur les moyens qu'ils avaient tous de nous traquer constamment et qu'est-ce qu'ils ont d'autre comme moyens pour. Et hop, Kim se fait, elle tombe, il y a une panne de jus là. Donc là, on peut passer, elle est figée.
Donc, field messenger section, it's... donc là, elle signale qu'il y a, si vous voulez participer au site d'information de news local, quel que soit votre âge, je sens qu'on va avoir des informations passionnantes sur notre environnement, avec la petite cousine qui va nous dire que la poule a pondu, je suppose, hein, ou je sais pas, ou qu'elle s'est acheté du maquillage, ou qu'il y a des actions sur les poupées Barbie, ou je sais pas quoi, quoi. Quel que soit votre âge, mais soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Alors là, j'ai fait un figé sur leur sourire avec le « believe me look », comme on dit ça. C'est-à-dire, croyez-moi. Yeah. Okay, so more importantly, also connected to the same base was something called an SAR. Donc, il y a... Connecté à la même journée, il y a quelque chose qui était appelé le SRA, SAR plutôt. It was a holographic telephone and un téléphone holographique. They were used in that telephone to connect to the 124 coven members. Now, qui servait à rentrer en connexion avec les 124 membres des coven qui ne sont plus parmi nous. This isn't the only place in the world where they had that connection. Et c'était le seul endroit où il y avait cette connexion. But it's called an SAR, a synthetic aperture radar. Un radar d'ouverture synthétique. And they were connected directly to this holographic phone. So it would look like... Qui était connecté à ce téléphone holographique. The person is standing there in front of you. Okay. Well, unfortunately, also on that same day, they tried to reach out and call them because of what had recently happened. Donc, ils ont essayé de joindre les 124 membres. And we removed the possibility of the FPGA chips. Mais comme on avait des disabled, désinstallé la puce PGFA connecting to all our phones, qui était connectée à tous leurs téléphones. They're really working hard, and I got to give them credit to try to use. Alors on peut leur donner le crédit qu'ils ont vraiment essayé de bosser dur pour remettre en place ce système, mais bon, les téléphones ont sonné dans le vide puisqu'il n'y a plus les 124 membres. Very little and still achieve world domination. But of course, the 124 people did not answer the phone. Why? Because they don't have a phone where they are anymore. Yeah, right. Yeah, thank you, by the way, for putting out the field messenger request. So, yeah, hopefully the only news that we'll need in this planet is from each other in the near future. Ah, excusez-moi, il faut peut-être que j'aille voir quelque chose. Je me demande si il n'y a pas le facteur. Ben non, pas plus de facteur que d'informations sérieuses de leur part, là. Et elle lui dit quand même merci d'avoir relancé cette chaîne d'informations. Puisque bientôt, les seules informations qui compteront, ce seront celles qui proviendront d'entre nous. Non, moi je veux des informations internationales, je veux des choses globales et non pas juste des choses locales. Donc, quelque part, j'ai rien à foutre des informations qu'il y a dans la gazette locale, quoi. Franchement, pas à notre époque, là. Quand il ne se passe rien sur la planète, oui, ça peut être amusant de savoir qu'il y a une belote au club des aînés du coin, hein, un concours de belote ou de pétanque. Hein. Sauf que là, non, là, on veut savoir plus de trucs, quoi. Je ne sais pas, je ne comprends pas, là. Je ne comprends pas. C'est peut-être pas pour nous, cette émission-là. C'est peut-être pour les enfants qui sont fait virer du club Disney parce qu'ils n'étaient pas spritchés. Je ne sais pas. Je déconne un peu, là, j'exagère, sûrement, c'est pas très respectueux et révérencieux, mais bon, je suis désolé. Les informations qu'elle nous balance ne nous respectent pas non plus, là. Alors. With all of this going on, these are things that we make you aware of because a lot of it does affect you personally, right? People wake up feeling dizzy, they go on your computer for an hour and all of a sudden you feel sick. I mean, and you were fine before that. So, this is all relative. Okay, so, let's see. Let's see. Okay, so we found a similar system to that one in Lisbon. Donc ils ont trouvé un système similaire à celui-là à Lisbonne. So both the Lisbon and the Panama connect. En connexion avec Panama. Connections to the SSP bases. Connecté aux bases SSP, donc programme spatiaux secret. Had this holographic phone, but they. Via ce téléphone holographique. They also, and that's where they got the orders from to start connecting to. D'où ils tiraient leurs ordres. These particular chips now. In layman's terms, and I'm sure the tech savvy will want more information, but you can look it up online as to what they are and what they do. But you could actually reroute the entire assembly processing and programming, base reprogramming of your computer. Any. On pouvait retravailler la programmation de nos ordinateurs. Computer, any phone using these chips. Ou de nos téléphones modernes là, en utilisant ces puces
informatique. Also, with access to those chips, you could change not only change the data, that's. Et vous pouviez changer les data aussi si vous aviez accès à ces puces, ces chips. Coming in, change your access points. You could even send out frequencies to the graphic. Vous pouvez faire émettre des fréquences. Cards and cause disease and do all kinds of things just right from your computer screen. Wow. Okay. I know. Juste donc nous en utilisant le téléphone ou en se servant de l'ordinateur par le biais de l'écran, on aurait été sensibilisé à tout ça. They really are going for us, I'll tell you that. Okay, so that connection no longer exists. Donc cette connexion n'existe plus. Those FPA chips everywhere in the world that took hours and hours to make sure that they were all disconnected. Donc ils ont pris des, ça leur a pris des heures de déconnecter tous ces puces. We used them to send out a counter frequency before, and then we took them out. So this was probably. Donc ils ont envoyé une contre fréquence et ça les a annulés. Probably a 12-hour-long process, all in all, on that day. Tim, do you think that there's a way that they can do more stuff with our phones and our computers? Like, is there anything that's left in? Because you know we heard about that a while ago, where you know they could have you know blown up you know. Essentially our person like through our phones. I'm like, gosh, like, is there anything else that we can get out of these things to make sure? Donc, est-ce qu'il y a encore des systèmes par lesquels ils pouvaient, comme auparavant, nous exploser rien que par le biais du téléphone? It doesn't hurt us. We're finding them as they come up. On verra bien s'ils s'en servent, on trouvera. Hopefully, like I said, our goal was Lincoln Logs, not Sharp. Elle n'est même pas au courant s'il y a d'autres trucs. Bon, je sais pas, moi. Je sais pas. La situation n'est pas terrible, la santé ça va, coup-ci, coup-ça, mais ça va. Je ne connais personne qui a explosé en se servant d'un téléphone. Peut-être que ça a déclenché chez eux des trucs, mais bon, personnellement, je ne suis pas au courant. Peut-être que vous l'êtes. Là, pour l'instant, on est, je sais pas, dans la science-fiction, la politique-fiction. Ben bon, c'est plausible, hein? Je ne dis pas que ça ne l'est pas, mais vous avez vu un changement ou... You know, don't hurt if they throw them at us, you know, and like rocks. Donc, dans le courant de la semaine dernière. Quoi. We don't even want rocks anymore, they should be left with Lincoln Logs at this point. Yeah. I want foam blocks, that's what I want, foam blocks. Foam blocks, noodles. Remember noodles for the pool? Yeah, that's what I want. Oh, yeah. Noodles, okay. Yeah. All right, so petit let's gag, see. Petit gag. We did find the next day. There was some remnants to one of the Marduk agreements where he was. Donc le lendemain, ils ont trouvé des restants de l'agrément avec enfin du contrat avec Marduk. Was the kingmaker. Le faiseur de roi. He said it was better to be the kingmaker than the king. No one ever kills the kingmaker. Okay. On disait c'est mieux d'être un faiseur de roi qu'un roi puisque personne ne tuerait un faiseur de roi tandis que le roi est sensible à l'assassinat. Everybody goes after the king. Which is true, if you think about it, right? Everybody wants to be king, and if there's only one kingmaker, then that's the best position to be in. That's the strongest position. Oui, couramment, on dit, ouais, il vaut mieux être celui qui fait les rois que d'être roi soi-même, n'est-ce pas? C'est notre conversation courante chez nous, vous savez bien. Bon, mais on avait raison, hein? So we removed a few of these things out of the hall of records, and so... Donc, ils ont sorti quelques éléments de ce hall d'enregistrement, le hall of records. These connections that gave him those permissions were et les agréments qui lui donnaient la permission coming from the old tablets of destiny, qui provenaient de l'ancienne tablette des destinées which have been also eradicated from the hall of records. Qui a aussi été éradiqué du hall d'enregistrement. So piece by piece, bit by bit, we find things when we're supposed to find things. I wish donc petit à petit on nettoie les choses. I could just get a complete download of everything left and do it all in one day if that was even possible, but you know sometimes you know you take off the covers and then you find more stuff inside, right? Donc il y a des fois où vous attaquez un sujet puis petit à petit vous en trouvez de plus en plus à nettoyer donc voilà ça prend du temps. Right? And then you think you're done and then you take off the next layer of covers and oh there's more stuff. It's like peeling an onion. There's more stuff, you know, but you don't know what's in there until you peel away the layer. So okay, so peeling away the layers. All right, so the other thing we did too is the registration. Pas de photos, pas de preuves. Tied to that agreement is what allowed the old Omega or Chronos system, the Dark AI, to manage all of the finances for the kingdom, which was AKA Planet Earth, right? Donc, ils ont encore réglé un problème au niveau de l'intelligence noire qui réglait les finances noires, enfin, backup. So, we made some changes and adjustments allowing for the global repository to take its place. Et ils ont fait des changements qui permettent maintenant au dépôt mondial d'exister. We gave some instructions that everybody is essentially, no, I'm not going to say it like that. Everybody essentially is on the same level now. Donc maintenant, a priori, tout le monde est sur le même niveau. There are no more kings and queens. There are no more rulers. We can all manage our own selves. On peut se diriger par nous-mêmes.
So that's going to take time, you know, for the unawake ones. But yes, we can all manage our own selves, which means that you two, if you're watching this, are no longer entitled to manage anyone else's items either. So one thing that comes... Donc ça vous concerne aussi, vous qui écoutez. ...comes up a lot too, is that, you know, everybody wants to help the poor Africans. And I hear this all the time. Please, if you're an American, a European, or anybody else, manage your own self. You have enough problems in your... Alors, si vous êtes Américain, Européen, et que vous dites, il n'y a personne qui s'occupe des Africains, ben, je vous en prie, commencez par vous occuper de vous-même. Own area right now. De votre propre région, then worrying about what the Africans are doing. Avant de vous occuper des Africains. But it became, I think they branded it like in the 80s. It's like everybody wants... De toute manière, je pense que les Africains sont assez grands pour s'occuper d'eux-mêmes, entre nous soit dit. Mais c'est entre nous soit dit, ça. To help the Ethiopians, right? You know, they're starving children in Ethiopia. Can't eat all your dinner. You know, we've been hearing it since then. Et puis en plus, c'est du foutage de gueule. C'est pas nous. C'est... Les truands qui nous exploitent nous-mêmes font tout ce qu'ils peuvent pour niquer tout le reste de la planète. Et vous pensez qu'en faisant des télétons quelconques, vous allez aider les personnes concernées, mais vous pensez que les thunes, elles vont arriver jusque là-bas. Ah là 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 là. Pensez à mon coffre aux Canaries, hein, d'abord, hein, s'il vous plaît. Got programmed into everybody's mind, even though your entire neighborhood's falling apart, you know, everything is, you know... whatever, you know, falling away, but, you know, the children starving right down the street from you, but you feel the need to go help Africa and collect all their projects. No, you don't. You don't need to do that. They can help themselves. They are more than capable of helping themselves if that's what they want to do, right? Et elle dit, pareil, là, par exemple, elle dit, non, ils sont tout à fait capables de s'occuper d'eux-mêmes si c'est ce qu'ils ont envie de faire. But again, it's their own sovereign choice and decision to manage the... C'est leur propre choix et souveraineté. Absolument, là, on est d'accord. It's the way they want to manage them. If they need resources that they don't... Et puis, on n'est pas obligé de leur montrer des séries télévisées tournées en Europe dans des conditions qui n'existent pas, même pour les peuples européens, pour leur faire croire que c'est comme ça qu'on vit ici, parce que ce n'est pas le cas. Hein? Ah, ça aussi. Mais bon. Alors, une petite attaque sur les réseaux de télévision, justement, là, un petit hacking... une reprise de possession, une diffusion d'informations réelles, ça, on verrait le résultat immédiatement. Je veux dire, on voit deux gaillards qui se pointent sur le plateau d'Antenne 2, là, qui prennent le présentateur, qui lui disent, entre en place deux minutes, là. Ah, toute la France est au courant tout de suite, là. Et puis après, pendant 10 minutes, les informations essentielles. Et là, en ce moment, il y en a des urgentes, hein. Il y en a vraiment des urgentes, là. Rien que pour qu'il y ait encore du public vivant et en bonne santé le lendemain, quoi, par exemple. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, on ne va pas se preacher de trop. Already have. Everybody, for some odd reason, thinks the Africans don't have resources. I can tell you right now, you can find an internet cafe anywhere in any country. Allez. Fairly close, 182 of those went to source in total, and that left us with, by that day, 42 remaining as of the 10th of May. Of the 42, there were about 28 of them that were left, I say, questioning. I wouldn't call them converted. I would just say, now, wait a minute. This Alors, il y avait une cinquantaine de responsables dont une partie a été convaincue et les autres sont encore dans le questionnement quant à leur politique. Hein, est-ce qu'ils passent de notre côté ou est-ce qu'ils restent du leur? It doesn't even sound right anymore, right? They're the ones that were searching for the information. J'ai zappé des trucs dont il me manque des éléments dans ma phrase, mais on s'en fout. On s'en fout, elle peut raconter n'importe quoi. Pour l'instant, on ne voit jamais aucun résultat. And that left us with 14. Non, je veux dire, si le président directeur général criminel en chef de l'OMS est destitué, ça se sait tout de suite. Il faut arrêter de déconner. Si Bill Gates se casse une jambe, ça va se savoir. Et si on lui coupe l'autre aussi, ça va se savoir. J'aimerais bien voir quel gueule il a quand il fait 1m20. Die hard. Oh. That day. Okay. I mean, just flat out going to keep doing whatever that they can possibly do to blow us all up. Ouais, comme ça, là, il est à la bonne hauteur pour que je lui fasse un maï guéri. Retournez. Non, je déconne. You know, kill us all if they can't have it. They will achieve world domination, you know. And of those, just so you know, there was probably two of them, I know of for sure, that did not have a human soul. So, il y en avait au moins deux d'entre eux. Elle en est sûre, ils n'avaient pas d'âme humaine. Mais elle ne dit pas qui. Yep, remaining Targaryen invested human. Right. Donc, mais des restes des Targétiens qui auraient investi l'humanité. Targétien, pas Tagette. Et je pense que c'est différent. De toute façon, vous avez vu l'un ou l'autre, vous. Bon. Are these people we would know, Kim? Names we would know or no? No. C'est des gens qu'on connaît, demande-t-elle. Elle dit non. I mean, you might be familiar, like if you look through all of the black nobility names that float around.
Vous pourriez les connaître si vous connaissiez toutes les lignées de la, des noblesses noires. Mais ce n'est pas des gens que vous auriez vus en public. C'est ça qu'elle dit, c'est que tous les gens que tout le monde veut voir sous arrêt, sous mandat d'arrêt, so far down on the food chain. Ils ne sont pas officiels. So far down on the food chain, and they're order takers. Yeah. So, you know, yes, do we have chemtrails going on? Yes, I'm fully well aware that... Est-ce qu'on a des chemtrails encore? Oui. But it's still, it's less, but it's... Il y en a moins, mais oui, il y en a. Still going on. Ah ben, le seul endroit où j'en vois plus, moi, c'est dans le ciel ukrainien. Tiens, pourquoi donc? Ah, c'est vrai qu'il y a moins de vols là-dessus. Non, mais j'ai rien dit. And there's a reason why it was still going on. Because if you didn't want to take... Ah, on n'oublie pas un truc, hein, c'est que l'OMS, comme tous ces clubs internationaux, ils ont aussi les deux pieds partout dans toutes les nations de la planète. Hein. Hein. Le Spritch russe, il est aussi nocif que les autres. Hein. Ouais. Et le chinois, pareil. Ouais. Donc, bon. De toute façon, le confinement en Chine contribue au grand reset et à la destruction de l'économie et du commerce mondial. Hein? On dit que les Chinois ils font ce qu'ils veulent avec leur population. Non, non, ça concerne tout le monde. Là. D'ailleurs, ils produisent tout là-bas et tout est bloqué là-bas en ce moment. Donc, ça contribue. C'est un autre élément du puzzle. C'est pas séparé. C'est parti du club, de toute façon, du projet de route de la soie, la route et la ceinture, Road and Belt, Xi, Poutine, Bibi et d'autres. Enfin bon. Way or another. You know, the nanobots, some way, they wanted to get it into you. So, they still thought that there was, the 14 diehards still thought that there was hope that they could find some system that would be able to connect to the nanobots. Donc, il y a cette histoire de nanobots qui infectent tout le monde, et ils essayaient encore de trouver un système qui connecte tous ces nanobots. In your system, person, not computer, to affect us in one way or another. Pour nous affecter. And as we get further down this food chain, or the rest of the week, I guess you would say, you'll see exactly what we're talking about. So, we are aware that they're doing this. So as they drop them, we send out frequencies that negate those. So they basically switch them off. Donc, on a envoyé des fréquences qui ont annulé ces effets. Ah bon? Ben, dans le VRS et chez les thanatopracteurs, pour l'instant, non. Pour l'instant, ils trouvent du matos. Infect et surprenant, étranger, parasitant et galopant même, on va dire. Donc, tes fréquences, là, il va falloir pousser un petit peu le potard, hein, le potentiomètre. Hein. Parce que je sais pas, hein, mais bon. So can you still have them in your person? Yes, we do it every single day, like clockwork. We do not allow that to continue. So even if it... Donc chaque jour on travaille, on empêche ça de continuer. They found a system to connect them. Even if they tried, it doesn't mean, you know, heavy metals are heavy metals. You know, they're found in the air, they're found in the water. Donc les métaux lourds sont des métaux lourds. On les trouve dans l'air, dans l'eau. They're found in your food. They're found everywhere, right? Dans la bouffe, partout. These are just regular heavy metals. They're known not to be good for your body, so you do need to do heavy metal cleanses every once in a while. Donc de toute manière, il faut nettoyer de ces métaux lourds. Donc hein, argile, zéolite, cryptolite, chlorella, sauna avec infrarouge profond, plein de trucs, boire de l'eau informée et surboostée, tâcher d'en absorber le moins possible. Enfin, renseignez-vous un petit peu, il y a au moins tout ça à utiliser. While I have a little shake that I drink all the time, just because I exist, right? In a world where all of this, you know, is going on. Why? Binding code tied to a patent from 1983. And we found another my lab facility operating out of, oh, please, New Yorkers, don't shoot me for this one. Schenectady. I think I got it right. Schenectady, New York. I was like, I thought it was a joke at first. I'm like, Schenectady, is that really a thing? I'm like, make sure the system's on. Donc, à un endroit nommé Schenectady, vers New York, il y avait encore une base. A prince. yes, okay. So, another software. It's called a Glue Framework. Yeah. Like Glue, G-L-U-E? Yeah, G-L-U-E. Donc,
Sujet suivant, un autre software nommé GLUE, G-L-U-I, G-L-U-E. It stands, it's an acronym. Okay, I don't know if I wrote it down in my notes. So yeah, my notes actually wouldn't print either today. So I am now looking at my phone for my notes. So bear with me here. You know, kind of, okay, so yes, it was tied also to Python language for you computer techies. Qui était lié au langage Titan pour les informaticiens. And it was tied to programmateurs. The graphics cards. And this, qui était lié aux cartes graphiques. This is why Bill Gates was so smug this week. Why caught COVID. We're going to try to revive the narrative. We were going down. C'est la raison pour laquelle Bill Gates essaye de relancer le narratif sur le COVID. But now we're going back up, right? Yeah. At COVID, I had been, you know, vaccinated twice, boosted, blah, 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 experiencing mild symptoms. Ou sur le suivant, du, hein, la prochaine pandémie. Ouais, santé. Il est déjà au courant de ce à quoi ça ressemblait. Il est en train d'admettre qu'il est à l'origine de ce truc, quoi. Hein, normalement. Là, le moindre procureur qui passe, qui entend ça, il dit, mais comment tu peux savoir ça? Enquête. Et d'ailleurs, comment y va ton pote Epstein et combien tu as fait de voyages sur le Lolita? 24? Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Tu faisais les vitres à bord ou quoi? Tu avais un contrat en... Non mais je sais pas moi, les gens vont réagir un de ces quatre là. D'ailleurs, il n'est pas tout bib hein, ce mec là. Il est mauvais informaticien. Puisque ses programmes ont toujours besoin de mise à jour. Donc, en fait, il est bon commercial. Mais franchement, il se mêle de médecine maintenant. Où on va, là? Ah, mais nous, on sait où on va. On sait qu'il fait partie du club eugéniste et transhumaniste et qu'ils ont des plans, donc qu'ils nous ont annoncé depuis des années et des années. Les gens, ils n'arrivent pas à se rappeler qu'ils l'ont annoncé. Ils n'arrivent pas à lire les différentes progressions, étapes progressives et comprendre où c'est qu'on va. Enfin, on se fout de nous, quoi. On se fout de nous, je vous le dis, moi. Non, mais là, au gouvernement, ils se foutent de nous. Et même les toubibs, là, qui commencent à comprendre au résultat de ce qu'ils voient dans les corps et dans les flacons, il y en a deux ou trois qui ont compris. Il faut regarder le grand jury, parce que là il y a quand même de la récapitulation. Ils arrivent à avoir notre niveau, maintenant, de compréhension. Ils sont même plus spécialisés et plus détaillés. Puisque chacun des spécialistes a dit ce qu'il avait à dire. Mais non, nous globalement, on avait pigé hein, depuis un moment. Mais enfin, comme c'est un petit peu des professionnels officiels du bon côté, en plus, je suggère vraiment de regarder. Et tout ça s'est traduit par Neuf de cœur, par Jane Traduction, par Quadrillage. Et vous trouvez ça sur Rumble ou sur Odyssée, hein, pas sur YouTube, évidemment. Hein. Now, why would that be? Right, smug because Microsoft Systems was attempting to attach to the GLUE framework. Donc le système Microsoft essayait de se lier à ce système GLUE. What it's called, okay? Now this was again an attempt to find a way to connect to nanobots. De manière à trouver un moyen de se connecter aux nanobots. Right, I'm just going to leave it at that. Human-made deficient archons. Okay. C'est-à-dire des archons faits d'origine, de fabrication humaine. So, this was a win-win for him. He didn't have to explain to his foundation members why their investment stunk, right? And why they're not getting paid their money back for their investment. Donc, il n'a pas expliqué pourquoi est-ce qu'il n'a pas reçu le retour monétaire de son investissement. Right? Because he made a lot of investments in... Parce qu'il a beaucoup investi. A particular type of certificate of... Of a VI identification system, ID 2020 system. Notamment dans le COVID 2020, hein, je crois. Ouais. C'est-à-dire le certificat d'identification. Now, didn't he? Really big investments. And all those foundation people, Warren Buffett left, he was on his board, so these are all big money guys, right? That were had invested money. But coincidentally, because this was a win-win, right? So I'm going to announce this week that, you know, Bill Gates has COVID. It's in all the news. I can talk about that, see if they kick me out of that one. And at the same time, we can promote that narrative because we're still working on that, right? Making that happen for us. At the same time, I'm sorry to say I couldn't attend the foundation's meeting, but I will attend by video because you probably all choke me if I showed up in person, right? Right. At this point. Mm-hmm. Yeah. Yep. Good old Billy or whatever that is now. I was just going to say, is that really even him? Yeah. I think we're on the 12th bill. So, obviously, that did not work out for them. A lot of these things are missing now. There is no more connections. Donc, encore un plan qui a foiré pour eux. Mais je participerai par vidéo à leur prochaine réunion. On ne va pas vous laisser l'occasion de m'attaquer personnellement, a-t-elle dit, globalement, si j'ai bien compris. Done, dusted, on the same day. Okay.
Interestingly enough, at the same time we found this information, we also found. Et de manière intéressante, en même temps qu'ils ont trouvé cette information, ils ont aussi trouvé. I don't know if you've ever seen the real symbol for Ariens or the symbol for. Okay, so the head of the Order of Black Sun is called Black Eagle. Right? Ce qui est au sommet de l'ordre du Soleil Noir, ce sont les gens noirs, le peuple noir. Right, that's why there was Black Eagle Trust. You've probably heard that name, which was run by the Bushes when he was Black Eagle. Qui était dirigé par les Bush. Mussolini before him. Mussolini avant lui. And a number of others, names that you would actually recognize. Et un certain nombre avant lui. Bon, rien à voir avec le peuple noir. Non, là, c'est le club noir, on va dire, la secte noire, puisque c'est Soleil Noir. Hein. Recognized. So, on these particular, I would say, graphics cards and chips, or the little tiny hardware pieces. Donc, sur ces cartes graphiques ou puces, il y avait des petits dispositifs. Hardware that were on the motherboard, and they were all tagged with qui était sur la carte mère, that same Black Eagle, et qui était estampillé avec un aigle noir. And we're like, what's this, right? So these chips were formally connected actually to the Alpha system at one, qui était en fait relié au système Alpha, at point in time, and also to the Omega system, et au système Omega, c'est au niveau des finances. Now, what these chips, which doesn't exist anymore, et ce que ces chips qui n'existent plus. So, Billy was so happy because he thought he was going to be able to use that framework. Alors, Billy, Killy Bates, était si content puisqu'il pensait pouvoir accéder à ce système de connexion. To connect to the chips. Now, why were these chips so important? These were like the ultimate at transmitting disease. C'était la pièce ultime pour transmettre des maladies. Transmitting negative frequencies. Des fréquences négatives. Through your computers. Par le biais de nos computers, your television sets, de la télévision, de nos téléphones, through anything containing, and everything contains one of these chips. À travers tout ce qui contenait une de ces puces, et tout en contient. Right? They could turn your car off while you're driving down the road. Ils pouvaient éteindre votre voiture alors que vous étiez en train de la conduire. Of the car that was manufactured after 1998. En tout cas, les voitures construites après 1998. C'est un petit peu comme pour les prochaines voitures qui vont toutes posséder une boîte noire. Là. S'ils veulent, ça va être aussi un moyen de. So, yep, that's why Billy was so happy. Although these chips didn't connect to the Alpha system anymore, hadn't for about. Mais bon, il y a plus de connexion au système Alpha. About 7 years or so, they also obviously didn't connect to the Omega system. Ni Omega. They thought that they were the ultimate access to everything. Now that really wasn't true anymore. They could. Donc, et c'était faux. Could have gotten perhaps some level one access to some things if they had a large enough framework and connected to one of these other bases that had disappeared. Could they have had access to something possible? Mais enfin, ils ont l'équipe Hakim, on va dire. À supprimer assez d'éléments pour que finalement les connexions qui restent soient vraiment infimes, voire inexistantes, impossibles. But all that's pretty well gone now. Those chips are not working anymore. Bon, alors s'il y a des spécialistes informatiques qui osent passer sur ma chaîne et qui osent arriver sur cette vidéo jusqu'à ce niveau-ci, est-ce qu'eux savent, ont constaté qu'effectivement il y avait des changements, est-ce que tout ça, ça tient debout, quoi? Parce que pour l'instant, moi. And they had been trying to connect to this apparently since, maybe that's why they said the 17th at that meeting, Sunny, right? Because they started this process on the 16th. Okay. Mm-hmm. Yep. Okay, so that is the ultimate between the matrix system that we talked about and the. Donc elle a quand même dit que c'était un projet depuis les années 60, ça, si j'ai bien compris. These chips, that is the, everybody's like, oh, that person's MK Ultra. Oh, I was in an MK Ultra program. Well, they do have programs, but they were actually using that same mind control, which is what it is, through these chips. Donc, il y avait une corrélation possible entre finalement le contrôle mental MK et l'utilisation de ces puces. Il y a une connexion. Okay. Interesting. So you wouldn't have had to have all the background of the programming. It's simply because you're using a device or whatever that has this chip in it, they can control you in a similar way. Donc, si j'ai bien compris, certains éléments MK pouvaient être contrôlés à distance par le biais de ces puces aussi. Déclenchés, si on peut dire, vous savez, allô, Joséphine, clang. Elle change le personnage et elle devient une agent spéciale. You know those people that are otherwise normal and then all of a sudden they become the bottom. Ou un agent spécial. Hein, or something or other. Yeah. Welcome to the Black Eagle chip. Oh boy. Yeah. So to answer your question, I don't know how many things are left, Sunny. Donc pour répondre à votre question, non, je ne sais pas combien il reste de systèmes de contrôle potentiel et de dégâts potentiels. Mais voilà, elle vient d'énumérer toute une série d'action contre différents systèmes qui étaient censés nous faire du mal à la fin. I don't know. I don't know. I wake up every day when I get all this stuff and I'm like,
Donc elle ne sait pas combien il en reste, s'il en reste. Mais bon, ils en trouvent tout le temps. Having a good time, having a good time. Yeah, thank you, source. Okay. Well, I'm glad we can find these things, right? Oh, absolutely. I have no idea. But well, and like you said, you find them when you need to find them. We're still alive, we're still breathing, there's a reason. Et comme tu dis, tu les trouves quand il faut les trouver, et on est toujours là, on est toujours en train de respirer. Oui, nous, oui. Mais je te donne les chiffres, là, des gens qui n'ont pas passé le cap des deux dernières années. Je sais pas, moi. Ouais, pour nous, c'est la meilleure des timelines, puisqu'on est encore vivant. Non, la meilleure des timelines, c'est qu'on soit encore environné des gens qu'on aimait et qui n'ont pas eu la lucidité de nous écouter suffisamment, par exemple, au cas où. Enfin bon, tout ça. Je sais pas, je suis peut-être trop optimiste, moi, ou trop philanthrope, ou trop lucide. Reason for this, right? It's... Ah, moi, trop lucide, bon de rire, hein, normalement. Mais là, bon, faut croire que... Right. It's happening when it's frustrating to us, because yes, we want it just to all be done, but... Bon, c'est frustrant pour nous parce qu'on aimerait bien déjà que tout soit terminé, mais c'est déjà bien, oui, ok. Ok. New agreement, Alliance of Worlds, done on... Ah! Un nouveau contrat d'alliance entre les mondes. Ah, ça nous intéresse, hein? Oh, ben dis donc. Elle est vide. Ouais, pourtant, on n'est pas la gueule de bois, hein. It's Friday the 13th. Yeah, happy Friday the 13th, everyone. It's typically a really good day for me. I don't know what this emergency evacuation thing is, but I find out when I hang up. Probably really, really légère, good. Fresh, keep sending it out. I got a pre-evacuation notice. There's nothing going on just a few minutes ago when I was standing outside. So, nothing. Bon, okay, Alliance of Worlds event and agreement. So, this had to do with the comings and goings here. Donc, ça a un rapport avec les arrivées et les départs ici, on Earth, sur Terre, interactions, those types of things. Les interactions, ce genre de choses. So as we become clearer, et au fur et à mesure qu'on devient plus clair, some other good things that happen too. Une autre bonne chose qui s'est déroulée about the combining of worlds. À propos de cette combinaison des mondes. Yeah. Right. Okay. So coming up this over this weekend, I think it's on Sunday night to Monday. Et il lui semble que c'est dans la nuit entre dimanche et lundi. We are coming into full alignment now. This, okay. On arrive à un alignement complet. Okay, so the world has a Taurus as well, right? Donc le monde a un Taurus. Inside itself, and it has a soul, just like we do. Et il peut avoir une âme comme nous l'avons. People don't think that, but it's true. They do. So we have Earth. Il y a des gens qui n'y croient pas, mais bon, en fait, si. Bon, on va dire l'esprit de Gaïa, par exemple. Earth that we know, and we have Terra, which is, these are the three parts. Donc, on a la Terre qu'on connaît, on a Terra. The fractionated soul of this planet. Donc, c'est trois fractionnages de l'âme de notre planète. So we have Earth, we have Terra. And we, donc, on a la Terre, on a Terra. We have Midgard. Et on a Midgard. And we come into full alignment in just a few days. Et dans quelques jours, on va arriver à l'alignement complet. Bah, c'était peut-être hier soir, hein, pendant l'éclipse de lune en plus. Which means that then, donc, je peux vous dire que je ne me sens pas différent ce matin d'hier, moi. Ni plus lourd, ni plus léger, ni plus extra-lucide, ni plus... Ou je suis complètement cartonné, est-ce que c'est possible? Pas complètement, peut-être pas tant que ça, mais assez cartonné. Je veux dire, pâteux, quoi. Pas fin, tadam, et hop, encore une licorne qui pète la fraise. We're all going to start merging. So people talk. Donc il y a, grâce à cet alignement, un merging, un entrelacement, une superposition, une réunion finalement de ces trois entités qui pourraient ramener des mémoires des vies passées. C'est des choses dont vous pourriez avoir envie d'avoir connaissance. The next few days. Alors que nous allons
vivre les jours prochains. Some people are getting triggered for no reason. They don't know why they're getting triggered. Il y a des gens qui soudain se sentent déclenchés sans savoir pourquoi. Joséphine. Frustrated, angry. Ou en colère. You know, maybe angry over what happened before. If you were present. Ou en colère vis-à-vis de choses qui seraient passées auparavant. Present at any one of these, in any one of these places when the wars were. Pourquoi dans ce sens-là toujours? Il pourrait aussi se sentir mieux, hein, entre nous soit dit, si je rentre dans ton jeu, Kim. Moi, ni l'un ni l'autre, hein, je vous le dis. Ni plus l'un, ni plus l'autre. Happening, and we're going to discuss that in real history. But those feelings are all perfectly normal. You may have new memories resurfacing. You may feel. Donc, ce seraient des sentiments tout à fait normaux, puisque vous pourriez avoir des nouvelles mémoires, enfin, des anciennes mémoires qui refont surface. I know time is really weird for me right now. I'm having a really hard time with time. Like, I think it's only 10 o'clock in the morning and it's 3 o'clock in the afternoon. Pour elle, la notion du temps est très bizarre en ce moment. Il y a des fois, elle pense que c'est 10 heures du matin, puis en fait, c'est 3 heures de l'après-midi. Mais je t'ai dit, bois de l'eau avant de te coucher. Bon, si ça se trouve, dans 2 ans, quand je réécoute ces vidéos, là, je vais avoir honte de moi d'avoir été aussi irrévérencieux, aussi. Hein, si ça se trouve. Hein. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas honte. Hein. Pour l'instant, j'ai plutôt honte de ce que je vous propose comme traduction, parce que qu'est-ce que c'est comme matériel, là ? J'ai bien mieux comme truc à traduire, hein, au cas où, sinon, hein, Kim. Everything almost feels slower. I don't know if that makes sense. Ah, je voulais vous faire des cours de radiesthésie pour trouver de l'eau pure, fraîche et potable, par exemple, ce qui risque d'être un besoin urgent et vital pour nombre d'entre nous d'ici peu de temps, hein. Et puis plein d'autres trucs comme ça, être au bon endroit au bon moment plutôt que le contraire, et tout ça. Donc voilà, travailler notre intuition, faire ces exercices là et les moyens de le faire et des références et tout ça, enfin bon, bon là, de toute façon, j'attends une autorisation et j'aurai l'autorisation une fois que j'aurai fait le travail et qu'il aura été visé par la personne dont je vais me servir. Dont je vais me servir du matériel. Donc, ça risque de prendre du temps, je n'ai pas commencé encore. Bon, elle m'a coupé la chic il y a 2 ans, 1 an. Quand j'avais commencé, elle a dit mon éditeur refuse. Donc, je vais essayer de trouver d'autres conférences qu'elle a faites qui ne passent pas par les mains de son éditeur, sur lesquelles il n'a rien à dire, quoi. Parce qu'elle serait plutôt d'accord à ce que le peuple évolue, quoi, le peuple, les gens. Hein. Donc, et puis moi, j'ai du boulot à faire là-dessus aussi. Hein. Je suis au même niveau que vous, quasiment. Hein. Voire pire. Like time is going by, but it's not time. Yeah. And I've seen that in the Telegram chat too, people talking about time, and it's like, either where did the day go, or, you know, it's just, it's off. It's totally off for people. Yep. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Les journées sont toutes comme avant. La seule différence entre un adulte et un enfant, c'est qu'il y en a un qui s'ennuie et l'autre, il n'a plus le temps de s'ennuyer, il n'a plus le temps de rêver, il a changé de façon de faire. La journée dure autant, les animaux vieillissent pas plus, les plantes poussent pas plus vite, la marée, il n'y en a pas 3 par jour. Je suis désolé, la lune, elle tourne pas plus vite autour de la Terre, et la durée du jour terrestre a raccourci de 2 millièmes. Certaines journées, on a fait un tour sur nous-mêmes en 2 millièmes de moins que la journée d'avant, quoi. 2 millièmes de seconde de moins. Et ça va, je ne sais pas, là, il faut arrêter de déconner. Le temps a disparu, et ta sœur. C'est des questions de niveau de conscience aussi. Si vous êtes très concentré sur un sujet, le temps semble ne pas passer de la même manière, mais en fait, si, tout à fait. Hein. C'est du vue de l'esprit, quoi, je veux dire. Enfin, bon, on est dans ce monde-là, là, plus ou moins. Enfin, ça fait partie de ces conversations sur lesquelles une certaine communauté New Age aime avec lesquelles elle aime se goberger, se baigner dedans, se huiler de termes et de concepts. Change rien, en fait. We did talk about the lights in the sky. Everybody's talking about lights in the sky yesterday. Yeah, yesterday. Day before, you were seeing these people talk about the lineup of things in the sky and what were they.
It wasn't others, let's just say. It had to do with something else that was going on. Basically. Donc, il y aurait eu des ovnis, bon, ce n'était pas des autres, des autres entités non terrestres. On an upcoming agreement, had nothing to do with Musk satellites or anything like that. We're not all going to die or anything. So. Ça n'a rien à voir avec une fin du monde ou la mort de tous. Relax, nobody's hurting us anymore, so we're good. Relax. Except for these crazy people. Was it a good thing, Kim, or a bad thing, this, what we were seeing, lights? C'était plutôt positif ou négatif, demande Sunny. I would say they were related to people that had managed to escape one of the other two. Donc c'était relié à des gens qui avaient essayé de s'en aller. Planets? De quitter la planète. Or not planets, but during the times of the wars, right? In different densities. Enfin, pas la planète, mais durant les temps de guerre. Densities. Okay. Different densities of Earth. Oh. Entre les densités terrestres. So, I would say that they were coming back to observe, like to see if it's... Donc, je dirais, nous dit Kim, qu'ils revenaient pour observer. It's safe to come back, that kind of thing. Oh, we were far more advanced than we are now, that's for sure. Thank you. Ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient beaucoup plus avancés que nous ne le sommes aujourd'hui. You order. You appreciate it. Yeah. They're probably quite disappointed when they saw where we're at right now. Like, oh, man. Yeah, I know, they're like, oh, what they did to us. Pas un nom, pas une photo. Yeah, <we're gonna> go. Yeah. Même pas une vidéo, là, des ovnis. Family, yeah. You know. And we were probably et puis alors, petit encart, la vérité est ailleurs. Michael Sala, Elena Banan, parlent toutes de cette observation de nombreux ovnis observés par l'ISS, hein, c'est sur la vidéo... C'est l'alliance machin qui vient. Elle débarque ou quoi? C'est la 10e fois, la 20e fois qu'on voit comme ça des cohortes d'OVNI se balader. Il y en a pas mal souvent au-dessus de l'Amérique du Sud qu'on voit depuis le sol, là, indirectement. Hein. Elle débarque, moi, je pense. Hein. C'est un élément pour la disclosure. Bon. On se montre, donc, du coup, les E.T. sont là. Oui, alors, il n'y a qu'une race d'E.T. C'est quoi, cette histoire, là? On en est où, comme concept, là? Ah non, mais franchement, hein, il y en a certaines, je me pose là avant de m'énerver, de leur balancer des claques. Hein. Non, mais l'autre, déjà, elle est française, elle ne veut pas une vidéo en français, elle va directement chercher le public anglais parce qu'il est plus nombreux, parce qu'elle a deux bouquets à vendre, hein, point à la ligne. Elle débarque avec des renseignements qui sont sur Internet depuis 1950, oh, sur Internet, dans les bouquins, et puis sur Internet depuis les années 90. Je suis désolé, pour moi, puis en plus, alors, elle est d'un snobisme, je ne sais pas. Alors, c'est sûr que c'est un joli spectacle vidéo à voir, elle se présente bien, elle est bien maquillée, elle a des fringues toujours différentes, ça... Pour ceux qui apprécient ces vidéos pour le temps de spectacle visuel, là, ouais, c'est évidemment beaucoup plus parfait que mon genre de vidéo, ça c'est sûr, hein, à ce niveau-là. Mais ça concerne quel genre de public, alors? Les filles de 14 à 25 ans qui sont à la dernière mode? C'est ça? C'est quoi, là? On en est où, là? Je comprends pas. Enfin, si, j'ai peur de trop bien comprendre. Donc, je veux des preuves. Une fois de plus. Et vous savez, hein, ça ne m'empêche pas d'avoir une chaîne exopolitique avec des références diverses et multiples qui vont même beaucoup plus loin que ce qu'elle ne va. Hein. Donc, moi, ce qui m'embête juste, c'est qu'elle amène tout un train de gens qui débarquent un petit peu sur le sujet. Elle, à mon avis, elle les amène sur des voies de garage chez Disneyland. Hein. La disclosure selon le gouvernement américain, quoi. Et on va suivre les programmes spatiaux secrets dirigés par le MJ-12, quoi. L'ex-MJ-12. Quoi? Vous avez vu les dégâts qu'ont créé les agents du MJ-12 de par le monde? La rétention d'informations, les abductions, et on est toujours derrière des diesels, alors que depuis 1955, ils maîtrisaient l'antigravité. On en est où, là? MJ-12, SSP... et ceci et cela. Et alors, en plus, avec tous les dégâts, l'esclavage, les mecs, là, 20 ans et retour. Excusez-moi,
j'ai pris le micro comme cendrier. Et ça ne se fait pas de prendre des gens pendant 20 ans et retour, de ne pas les payer en plus. Vous imaginez la solde pendant 20 ans, sans compter la prime de déplacement et le calendaire. Oh, les gars, ils ne seraient pas en train de vendre des bouquins, hein, ils seraient multimilliardaires. 20 ans de solde dans la Navy en tant qu'agent spécial, vous imaginez ou quoi ? Jour et nuit, et peut-être plusieurs fois, hein, 20 ans et retour. Si ça se trouve, ils le ramènent et un quart d'heure après, ils le reprennent pour 20 ans et ils le ramènent. Et... Évidemment. Ah ouais, moi, je pense à tout. Et ils n'ont même pas un procès de l'URSSAF. Et les impôts. Non. Je ne sais pas. Ben bon, bon. En tout cas, l'idée de suivre encore les Américains comme donneurs d'ordre, non mais alors là, ça me sort par les oreilles. Hein. Et alors, sans se poser de questions de sa part, ils sont, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Quoi. Mais enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, là. Ça vous en est encore une qui accepte le règlement, et même quand le chef a tort. C'était pour ton bien. Applique l'article 1. Ça va, oui. Et puis, je suis désolé. Il y a tout le reste de la planète. Il y a des peuples. Il y a toute l'Amérique du Sud qui a une historique, une cosmologie et des relations à Quetzalcoatl et à tous les autres. Il y a tous les Sumériens. Il y a tous les peuples du Nord. Il y a les Hopis. Il y a les Chinois. Il y a le Siam, et toute l'Afrique, en Afrique du Sud, Enki, il est passé aussi. Regardez Adam Kalendar, par Michael Tellinger, c'est édifiant. Il y a eu création aussi génétique là-bas en bas. Il y a en Australie aussi. Alors maintenant, on ignore tous les autres et on se met sous eux alors qu'ils ont des dossiers criminels incroyables. Enfin, moi, j'appelle ça criminel, hein. Retarder toute la civilisation pendant 70 ans, voire plus, c'est criminel. Ça a fait des millions de morts, inutiles. Des gens qui n'ont pas eu le loisir de mettre leur vie à profit pour s'élever spirituellement, entre autres, et puis de toute façon avoir une vie au moins potable. Je ne parle pas d'être millionnaire, mais au moins une vie potable. Enfin bon... Je sais pas si j'ai le niveau pour comprendre ça, en fait. Anybody else? So, yeah. We'll get there. We'll get there. Probably here for the alignment that's coming up, you know, kind of thing. I'm surprised that anybody shows themselves, you know. Et c'est pas de la prétention d'avoir le niveau, hein. Je me demande juste si, enfin, de quoi est constituée la vie pour eux, quoi, pour elles. Je préfère nettement la position du far side dans l'idée de la résistance et de lutter pour sortir de l'esclavage. Oui, oui. Alors là, oui, oui, absolument. J'ai beaucoup plus confiance dans ces positions-là, même s'il y a des choses à redire aussi sur certaines situations géopolitiques qu'ils n'avaient pas bien pigées, ou sanitaires ou autres. C'est peut-être des sujets sur lesquels ils ne veulent pas du tout rentrer pour avoir la paix, ne pas se faire alpaguer là-dessus, en plus du reste. Possible, j'en sais rien. Je pense aussi qu'ils ne sont pas forcément au courant de l'arnaque pastorale et tout ça. Bon, on peut. No, no threat whatsoever. Nobody's looking to harm us or take over, you know, except for the crazies that were left at that time. Okay, so, of the... Non, en fait, dans toutes ces réflexions qu'ils ont, là, on a quand même l'impression qu'elle parle de trucs dont qu'elle a en mémoire, ou je ne sais pas, elle ne nous regarde pas franchement, elle lit son papier, on peut pas, c'est difficile à déterminer si elle fait du bénif milouk, si elle envoie les yeux à gauche ou à droite, ou... si elle élabore ou si elle se rappelle, c'est sérieusement, et si elle ne se rappelle pas le scénario qu'elle a mis en place la veille, hein, mais la réalité des choses, du passé, vécu, voilà, c'est difficile à dire aussi. Mais bon, on a l'impression qu'elle parle de trucs que techniquement, elle maîtrise bien, quoi. Et ça, je ne sais pas si c'est un super personnage bien construit ou si c'est moi qui suis trop dubitatif. Je ne sais pas. Bon... globalement, vous êtes d'accord avec moi, on a besoin de preuves là,
Et ce blabla, on en a un peu marre, hein, franchement. Et il y a de quoi. Diehards that were left at that time, six of them decided to kind of just stay neutral because now everybody's scared, right? Nobody's answering the phone, everybody's disappeared. They're pretty well sure they're dead and gone, not sure where they went, but now we can confirm to you that they are gone and they're not coming back. Alors, elle peut nous confirmer qu'il y a une partie des éléments qui sont partis. Ben, confirme, vas-y, confirme. Mais pas juste en nous disant, je vous confirme. Confirme. Montre-nous les postes vacants, montre-nous les maisons vides, montre-nous les soucoupes volantes dans le garage qui n'ont pas passé le contrôle technique, par exemple. Hein, montre-nous les comptes en banque distribués maintenant, montre-nous les remplaçants, montre-nous. Alors hier, ils ont eu tellement de plaisir à gérer une opération fantastique. Okay, so yeah, on the 12th. Okay, so facilities involved. Okay, we had Los Alamos. You probably if you qui a impliqué Los Alamos. Followed people like Bob Lazar. He talks a lot about a laboratory where he got his start. In Los... Par exemple, vous avez entendu parler de Bob Lazar et de son laboratoire dans lequel il travaillait sur l'élément 115. Alamos, New Mexico. À Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Mm-hmm. Well, underneath this laboratory was another semi quasi functioning. Alors en dessous de ce laboratoire, il y avait SSP lab. Un laboratoire du SSP. Fonctionnant à moitié. Of the six that attended this particular facility on that day yesterday, three of them were human and three of them were not. Et des six personnes qui ont essayé d'accéder à ce laboratoire hier, donc c'est un rapport du 13, hein, donc le 12. Sur les six, il y en a trois humains et trois non-humains. So three of them had a different soul other than a human soul. Donc il y en a trois qui n'avaient pas une âme humaine. So they've been coming alors, from this facility for about 6 months now-ish. Ça veut rien dire d'ailleurs sur leur intention. Not really getting anywhere, not really doing anything until they try to access the lower levels again, which they haven't had access to for 3 years now. And then the war really heated up yesterday. So. Donc la guerre les a vraiment touchés hier, alors qu'ils essayaient d'atteindre à ces troisième niveau profondeur. Non, au niveau de profondeur. Auquel il n'avait pas accédé depuis 3 ans. Yeah, this is the home of you've probably heard of the Manhattan Project. C'est la base du projet Manhattan. That's all down there. Okay. Yep. So that particular situation was handled by the enforcer. The reason. Donc les enforcers, c'est-à-dire les forces de l'ordre du bon côté, hein, de Kim, ont réglé ça. Why it was handled by the enforcers? Because we had friends there too that were fighting against them. So we didn't want our friends to be hurt. And we let the enforcer handle everything. Alors, comment on savait ça? C'est parce qu'on avait infiltré les méchants avec des éléments qu'on ne voulait pas voir blessés par l'action des forces de l'ordre, du bon ordre. That way, you know, we couldn't do a complete wipeout. Some of the facilities still exist above ground, but under the ground, the things that they were looking for access to did not exist. Okay. So maybe they thought their holographic phone SAR was broken, and then they tried to like go find one. Maybe they were wondering why nobody's answering. I'm not sure. These people are not that bright. Donc, ils ont essayé d'accéder à des niveaux de laboratoire qui n'existent plus. Okay, so second part, Philadelphia military base. Et donc, autre chose, la base militaire de Philadelphie. In Pennsylvania, also very famous for the Philadelphia project, the time travel project. Wonder what they were doing there. Là où ils ont fait l'expérience de Philadelphie, cette expérience de voyage temporel. Sure. So the others. Enfin, normalement d'invisibilité qui s'est avéré transporter le vaisseau justement dans un autre espace-temps. That did not go to Los Alamos, who are also no longer with us. It decided to go to this particular facility. Donc ceux qui n'ont pas réussi à accéder à Los Alamos ont essayé de sur Philadelphie. In order to gain access to some technologies to hopefully reverse. Pour essayer de retrouver de la technologie. Out of timeline or something. Kill us all. I'm not exactly sure, but it's also the headquarters happens to be the headquarters of the Pilgrim Society. Qui était aussi le quartier général de la société Pilgrim, hein, les pèlerins. Also known as the Jason Society's ou la société Jason an experimentation lab in the United States. Well, was. Okay. Bon, c'était. Ça veut dire ils ont aussi tout nettoyé, réglé, bon, tout, pas de photos, pas de vidéos. Hein, vous en avez marre, hein, de tant de preuves. So neither both Los Alamos and this particular underground facility in Philadelphia are now gone completely. So they're missing a facility. I wonder if they're going to call the police and find out where that happened. Maybe send out one of those national emergency things like that. Pre-evacuation ordered. Okay, not sure why. So all right. The facilities are gone, and does that also mean that the people that were there or the beings that were there are gone as well? Not the ones in Los Alamos that were there fighting against them. Right. There was people, our friends. Donc, il y a comme survivants les éléments infiltrés, les bons éléments infiltrés chez les méchants
sous Los Alamos. Yes. Mm-hmm. Okay. But everybody else is yes, because there's no point in these people moving to another location. Les autres. That was a decision that was made and approved before it's done. Okay, next. Somehow they were connecting all of these systems or making an attempt to connect these systems to a computer system. I don't know if you've ever heard, it's called like the Tombstone Curse, and it's the place where the secret societies of Yale meet in the tombstone, they call it. Un endroit, enfin, ils essayaient de connecter les moyens d'agir qu'il y avait sous ces deux bases, Philadelphie, Los Alamos, avec un troisième endroit qui est appelé la pierre tombale. Yeah, that's how it comes out. But anyway, this was also connected to, I would call it a supercomputer, I wouldn't call it a quantum computer. Qui était aussi connecté au supercomputer. The Yale underground system where they were only permitting members of secret societies to act. Un système souterrain dans lequel n'avaient accès que les membres des sociétés secrètes. These systems, and that also no longer exists. So, ça n'existe plus non plus. This is why chemtrails. This is why we're going to try to connect that my lab with this my lab and that computer system, and then we're going to make it happen, right? And then no, that didn't work out. Okay, now we're going to go to this my lab and that facility and this one, and we're going to try to make it happen. Bon, là, elle est lugubre autour des stratégies qu'ils essayaient d'appliquer pour arriver à leur fin. Spraying those chemtrails, keep spraying the things, right? Keep it going, because if just in case we're successful, we're going to make it, right? Also found the Cinch system, since Cinch is actually an operating system, located under the no strings attached people, right? So look carefully at what that stands for. I call them no strings attached. Oh, okay. Okay, in Baltimore. So the... Ils ont aussi trouvé un système qui était sur Baltimore concernant des gens non relié à des entités, main controller, mais néanmoins nocif. If they had managed to connect all these systems together, would have been located underground in Baltimore, which also doesn't exist now. Qui n'existe plus, endroit qui n'existe plus non plus. So the Cinch operating system that was located. Et donc ça fait de la place là, c'est cool, on va pouvoir se protéger de l'explosion solaire. C'est bon, vous n'avez pas tout effondré, c'est vide maintenant, c'est vitrifié déjà, isolé, tout ça. On va pouvoir faire des tours de tourisme, là, excursion en petit train. Ah, il paraît qu'il y a plus de longueur de galerie sous terre qu'il n'y a de longueur de route sur terre. Hein. Donc... Their connection is gone. This system was actually already working. It had been working for about 4 days. Bon, allez, les systèmes, blablabla. Bla, bla. On est dans la meilleure situation possible pour nous et le monde. The people that are taking orders don't know what they're doing when no one's giving them any. You know, yes, they matter what level you're on. If you're, you know, going to follow this plan or these instructions and you're doing harm, ah oui. You know, tu les entends les deux là. Then one by one, you know, as they make poor decisions, then they're. Blah, blah. These were the diehards. So now what happens? Oh, let's see. After we got finished rejoicing about that, then we had to take care of another situation. Okay. Let's keep on coming. I'm laughing about this. Okay. So the warning came in as, hey, they're freebasing Facebots. And now I got to figure out what the hell freebasing Facebots is. I'm like, isn't freebasing like a cocaine thing or something? You know, so I'm like looking it up. I'm like, how do you freebase a Facebot? apparently no one gets the memo when one part doesn't work. Yeah. They have a program. It's an open source database called Freebase, which was recently bought out by Google. Yep. So this was connecting through a few different types of... C'est marrant parce qu'elle dit donc qu'il y a un autre système qui s'appelait Freebase quelque chose qui était connecté à Google. C'est comme s'il y avait quand même une réalité technique derrière tout ce dont elle nous parle. C'est comme aussi si elle avait vraiment un grand nombre de personnels au service là, pour pouvoir être intervenu en une semaine sur 5 bases différentes, voire plus, et tant de systèmes. Source programming. One was Contra. There's a company called Contra out there. Ruby was another one, Ruby programming. And Raspberry Pi spelled PI. So if you're a techie and you want to look this stuff up, go right ahead. Okay, so apparently some of these companies are responsible for a lot of the facial recognition that happens. Not only donc, il y a beaucoup de ces compagnies qui sont responsables de la reconnaissance faciale. They think, you know, they got this system here, this is my lab there. This was just this week, right? So
Now they're going to connect them all together. They've got access to the facial recognition and everything from airports, airplanes, your computer, your phone, you know, your iPhone, facial recognition login. I mean, think about all the different types of facial recognition. And this was tied to Tampa underground facility, which goes all... Qui était relié à la base souterraine de Tampa. All the way to Tallahassee's My Lab. So SOCOM... qui était en liaison avec le MILABS de Tallahassee. To the My Lab underground in Tallahassee, which is quite a distance for underground tunnels to exist. Well, did. And so they, for their part... Did, donc c'est fini. Ça aussi, ça a été annulé, nettoyé. We're going to do... Alors maintenant, ce serait bien de tomber sur un whistleblower qui a travaillé, hein, un repenti, qui a travaillé dans tous ces endroits et qui nous dit, oui, il y avait ci, il y avait ça, j'ai vécu ci, et qui nous amène des preuves concrètes quelque part. Des recoupements possibles, ça, ce serait bien. Mais bon, il y a quel qui nous parle de tout ça et sans aucune preuve, jamais. Their part in the social crediting system and attached to, they were going to freebase FaceBots. Using freebase, the freebase system. Et donc, ça mettrait en cause tout le système actuel de reconnaissance faciale avec permis citoyen, on va dire, si je comprends bien. Or, je n'entends rien de tout ça dans les mesures qui nous sont annoncées. Au contraire, ce qu'on nous annonce là au niveau de l'Europe, ça va plutôt comme si tout ça, ça fonctionnait encore et que ça s'enchaîne les uns dans les autres, ça s'engraine les uns dans les autres pour mieux nous cerner. Enfin, c'est le problème là, c'est que dormez braves gens, on s'occupe de tout, puis en fait, non, en fait, il ne s'est rien passé, vous avez bien rêvé. Et maintenant, c'est fini, vos libertés. Quoi. En fait, il va s'avérer, un de ces quatre, que c'est la fille cachée de Schwab aussi. Hein. Bon, je déconne, là. Hein. Ça, c'est une insulte presque. Hein. Tu m'en veux pas, Kim, hein, mais bon, tu me comprends hein, aussi. Hein. Faut pas déconner. Hein. Owned by Google and your facial recognition software is around the world. Yep, so we're excited. In the next few days, we're going to, I guess you would say, the solar birth will no longer be fractionated. That should help some very sensitive people that are aware of those things. Also, we have recorded the first You and Your Consciousness episode. So that should be out in the next couple of days. I'm really excited to see if you all enjoy that. Bon, le programme qu'ils ont pour UNN. Good learning, good information, connecting directly to source, our creator. And of course, les cours pour se connecter directement à la source, au créateur. There's going to be some upcoming meetings for field messengers. So you can put out your news, not... Le canal sur Messenger de news. Everything in the world is that. News et idea. News and idea. Si vous voulez vous connecter, quel que soit votre âge, si vous avez des informations locales à partager. Just what I have to do. Mais donc pas sur le nombre de poules qui ont pondu la veille, hein, s'il vous plaît. And now I... Quoique, hein, elles morflent les poules en ce moment. Hein. J'espère que vous avez fait des provisions, que vous essayez de monter un petit poulailler, pas trop, hein, il n'en faut pas énormément. Hein. Déjà, il faut être discret quelque part. Et puis, faut être raisonnable. Il faut prendre que ce dont on a besoin. Et puis, bon, les œufs, s'il n'y a plus de poules, il n'y a plus d'œufs. Voilà, avec toutes les récessions sur la farine, sur les huiles et tout ça, vous imaginez qu'il y a plein de produits alimentaires de base qui vont faire déficience. Vous connaissez les tarifs du pétrole, vous ne connaissez pas encore ceux du gaz, puisque de toute façon, on n'a pas d'énergie libre qui sont libérées, et qu'on avait un pipeline direct depuis la Russie, et que l'Ukraine... Donc, celui-là, c'est l'Angleterre et les États-Unis qui l'ont bloqué. Nous, alors là, on nous demande... Ça vient chez nous, mais nous, ou en Allemagne, mais non. On va mettre deux pulls verts et se les geler tout l'hiver, mais on ne va pas accepter ce gaz alors que l'Ukraine complètement continue de se servir de ce gaz et de prendre sa taxe, hein, sa part, sur ce qu'elle donne au reste de l'Europe. Et je veux dire, et son président nous dit « privez-vous de ce gaz » tandis qu'eux, ils s'en gavent. Mais on est dans… C'est quoi? Je veux dire, ce n'est pas beaucoup plus conséquent non plus que ce qu'on vient d'entendre, hein, je veux dire. Mais au moins, c'est même beaucoup plus aberrant, puisque là, on en a la preuve directe, les conséquences directes. Donc, prenez vos précautions, tâchons de devenir autonomes. Ça va être la décroissance forcée, là, hein?
ce qui est pas malin parce qu'une société qui se développe n'est pas en décroissance. Par contre, elle peut devenir plus écologique, ça on est d'accord. Donc énergie libre et écologique. Et Virumbir Pharma, et savons-nous de tous les moyens de garder la bonne santé qui ont été inventés depuis plus d'un siècle et qui nous sont interdites. Ou les petits médicaments pas chers et dont on trouve plein dans les jardins. Et alors, je vous signale qu'il commence à devenir interdit de cultiver son propre jardin. Et je crois que c'est en Allemagne, ou je ne sais pas où, en Allemagne ou en Belgique ou en Allemagne, où maintenant les forces de l'ordre vont pouvoir accéder à votre jardin et que ça sera considéré comme un crime que de les empêcher de rentrer dans votre jardin. Et si vous avez vu ce qu'elles font, les forces de l'ordre, en Chine, dans les jardins potagers, elles détruisent tout. Donc maintenant, vous devez laisser rentrer les gendarmes ou je ne sais pas quelle force de l'ordre de l'Europe qui vont rentrer dans votre jardin pour tout fracasser. Mais c'est pour votre bien. Puis c'est grâce à vos impôts. Et c'est grâce à la présidence de personnes qui sont criminelles partout à tout ce à quoi elles ont touché. Il y a eu de la fraude, il y a eu du crime. Mais bon, il paraît qu'on les a élus. Si on peut y croire, si on peut encore croire à ce genre de conneries. Enfin bon, gardons le moral. Hein. Bon, il faut se débrouiller entre nous. You go find out if I need to attack you. Right? Ah, voilà. Ah, 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 on garde le moral. Il y a du soleil. Il y a des... It's not funny. I've never seen one of those before. It doesn't even say why. Ah, ouais, ouais, ouais. Well. And now we're down to zero diehards. Zero diehards. You know, if the information is right, you know, what's really going on this planet, who the bleep is she, you know, not only her or she, you know, they're trying to get information as to what's really going on, where's the money, there's no money. Today was another one of those days in why everybody was expecting to get paid. Et récapitulation de ce qui fonctionne pas. With any amount of luck, things will get better soon. Yeah, absolutely. Well, I certainly hope, would you say 500? There were 500 people that were questioning, or how many did you say? A little over 500, yeah. We're questioning their very existence, like, I've been lied to this whole time. Who are these people? Like, why didn't I know that? How does she know that? I don't know that. How did this happen? And then they're going and getting information from other people or going to these facilities going, yep, there was a facility here for sure. Il y aurait 500 anciens agents qui auraient découvert, qui se faisaient manipuler et qui remettaient en cause Kim et ses informations et qui ont été confrontés à effectivement le fait qu'elle pouvait avoir raison, qui se seraient éveillés au fait d'avoir été manipulés, donc, et qui pourrait maintenant changer de politique. Bon, je pense qu'il est plus qu'urgent qu'il le fasse, il est plus qu'urgent qu'on en ait la liste, parce qu'on veut aussi les listes de tous ceux qui ont contribué au sabordage de notre société, de notre civilisation. Oui, eux, leurs adresses, tout, quoi, tout. Et puis on va répartir entre nous tout ce qu'ils nous ont volé, quoi. Hein, c'est clair. Sans parler, je ne sais même pas, il y a des gens qui vous mettent des procès pour le manque à gagner, mais là, il y a des gens qui sont morts. Allez, arrête avec les bruitages, s'il te plaît, Kim. Donc, tout le château de cartes tombe, sans blague. Onto yourselves, and you can create war with each other every day. Huh? Wake up every day and fight. All right, Ken. Like, I'll be playing video games. Ken, thank you so much for today's update. Really appreciate it. Reminder for everyone out there: if you want to become a field. Donc, elles peuvent finir en souriant, en disant merci beaucoup pour toutes ces informations qui nous gardent de bonne humeur, puisque tout ce que tu as entrepris c'est a marché et que tu as détruit un maximum de moyens du deep state de nous nuire. Bon. Ben écoutez, dès que vous voyez les preuves comme quoi effectivement les choses s'améliorent, vous me le dites s'il vous plaît. Hein. Ça me fera du bien aussi, parce que bon, moi aussi j'arrive à rire en parlant de choses horribles. Donc ça ne m'impressionne pas leur petit jeu là. Plutôt ça me tape sur le haricot. Et j'espère que bon, vous n'en voulez pas vous en faire encore perdre, je ne sais pas, je pense une heure de plus. Mais le début de la vidéo est sympa. Hein. Le remote view, ce que Bruce nous a montré, c'est sympa. Hein? Bon. Voilà, bon courage. Aux les cœurs vaillants et il a rang. Hein?
Et on passe entre les gouttes et les aiguilles, néanmoins. Je vous dis, hein, au cas où ce soit vrai, on sera un peu au courant de ce qu'il y avait avant et on sait un petit peu ce qu'il y aura dans le présent. Mais voilà, hein. Voilà, moi, l'Alliance Galactique, machin, ISSP positif, la distribution d'or à tout le monde, comme en parle aussi Benjamin Fulford ou tout ça, là. Oui, bon, on verra, hein, on verra. Si ça se réalise, tant mieux, hein. Mais bon, je ne m'y attends pas assez pour être déçu si ça se réalise pas, quoi. Voilà, en tout cas. Et puis je vous remercie de toute votre patience quand même, hein, parce que franchement, il vous en faut plus qu'à moi en plus. Hein. Quelque part. Parce que vous me faites confiance pour trier le bon grain de livret, quoi, quelque part. Donc, c'est pour ça que je ne me prive pas de mes critiques dans les encarts, là, si on peut dire. Je ne m'en prive pas, parce que je ne tiens pas à vous amener sur un petit nuage rose plein d'odeurs de fraises. Hein? C'est clair. Pour l'instant, c'est toujours orageux, je trouve, moi. À très bientôt. Salut, bon courage.